imparfait. Il a été parfait pour commencer. Avant toutes les choses, avant de créer toutes les choses, le grand Elohim était parfait. Alléluia. Et après toutes les choses, il va demeurer quoi? Parfait. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle ne peut pas échouer. Ce soir, toutes les choses que Dieu a dit de toi, tout ce que toi tu reconnais, que c'est une promesse pour toi, sachez que ça n'échouera pas. Ça doit s'accomplir. C'est ce que moi je crois. Que tu le veuilles ou pas, ça s'accomplirait. Mais ça s'accomplira quand? Pas à ton temps, mais au temps de Dieu. Au temps de Dieu. La seule chose que Dieu peut faire dans ta vie, c'est tenir, c'est honorer sa parole. Dans chacune de vos vies. Dans chacune de vos vies. Il y a une seule chose que Dieu doit. Je dis bien, il doit faire. C'est honorer sa parole. Mais pourquoi, pasteur? Parce que c'est lui. Do you understand me? Dieu honora sa parole. C'est Dieu s'honorer lui-même dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you get me. Dieu God n'a qu'une seule chose à faire. There's only one thing to do. Dans la vie de l'Assemblée chrétienne de Charles. C'est quoi? What is it? C'est honorer sa parole. His word. Sa parole, c'est qui? What is his word? Maintenant, honorant sa parole, il honore qui? Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Let's rise to read God's word. Nous lirons dans Matthieu chapitre 24. Reading in Matthew chapter 24. Verset 35. Verse 35. Matthieu 24, verset 35. Matthew 24, verse 35. Elle dit ceci, la Bible. The Bible says this. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Dieu notre Père céleste, God, Heavenly Father, nous venons de lire ta parole word, et nous sommes en train de demander ta présence. Que toi tu viennes pour nous parler, Seigneur, us, Lord, parce que nous désirons écouter quelque chose de ta part. You. Viens, Seigneur, come on, Lord, nous nous attendons à toi. Commence avec nous, Père, et termine cette prédication avec nous. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, et règne sur la salle entière. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Alors, je voulais parler juste un tout petit peu. I want to talk just a little bit. Et le sujet de ma prédication ce matin, the topic of my sermon this morning, c'est l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Is the infallibility of the spoken word of God. Of God's spoken word, yes. Infallibility of God's spoken word. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, you know, que la parole de notre Dieu ne peut pas échouer. The word of our God cannot fail. C'est comme nous venons de lire dans la Bible. Just read in the Bible. Come on now, praise the Lord. Que les cieux et la terre vont passer. Heaven and earth will pass away. Mais s'il y a une seule chose qui ne peut pas passer, c'est la parole de Dieu. That's God's word. Amen. 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 Yes. Et Frère Branham a dit, Brother Branham saying, que ce qui est écrit dans la Bible, what is written in the Bible, ça ne peut pas échouer. Cannot fail. Et c'est la parole de Dieu. That's the word of God. Et il a dit, je repose toute mon âme. He said, I rest my soul. Je repose toute ma foi all my faith sur chaque parole qui est écrite dans la Bible. Upon each word that is written in the Bible. Parce que c'est infaillible. Because it's infallible. Ça ne passera jamais. God will never pass away. Mais c'est la terre passera un jour. Will pass away one mais day. Ce qui est écrit dans la Bible, elle ne passera jamais. Will never pass away.
Vous dites amen à ça. Et il a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Et Dieu jugera le monde par sa parole. Frère Benham a dit ceci. Si on demande aujourd'hui, Dieu jugera-t-il le monde à partir de quoi? L'autre dira à partir d'une église. Si nous disons de l'église catholique, alors Branham dira, mais quel catholique vous parlez? Parce qu'il y a les catholiques libérales et il y a les catholiques orthodoxes. D'autres diront, non, c'est pas l'église pentecôtiste. Diront, si vous prenez les pentecôtistes, ça veut dire que les méthodistes vont échouer. Alors si vous devez juger le monde à partir de ce qui est des méthodistes, donc les pentecôtistes vont échouer. C'est pourquoi Frère Benham a dit, Dieu jugera ce monde à partir de Jésus-Christ, à partir de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Et la parole ne peut pas échouer. Si tu crois, ça dit amen. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Quelqu'un peut me dire amen à ça? Frère Benham a dit, s'il y a une chose sur laquelle je veux me positionner, ce n'est pas les cieux. Parce que les cieux passeront avec fracas. Je ne peux pas me poser sur la terre. Parce que la terre passera. Mais je dois me poser sur la parole. Parce que la parole ne peut pas échouer. Dites amen à ça, bien-aimé. Ma parole échouera. Ta parole échouera. Mais la parole de Dieu, elle reste éternellement. On doit reposer notre foi là-dessus. Frère Benham a dit, la parole de Dieu a d'abord été une pensée de Dieu. Et quand c'était dans une pensée, il a dit Dieu pouvait changer des choses. Quand c'était encore la pensée, Dieu pouvait enlever d'autres choses. Mais quand il a parlé, ça devient la parole. Quelqu'un me dit amen? And it is the word made manifest. Et c'est la parole, la pensée qui a été manifeste. Now back in the beginning. Maintenant là au commencement. When God looked down through the corridors of heavens and saw all the things that were going to happen on earth. Quand Dieu a regardé au corridor du ciel et a vu tout ce qui devait arriver sur la terre. Did you ever sit and just draw a picture out in your mind about it? Est-ce que vous vous êtes déjà assis et avez essayé de faire une image de cela dans votre tête? Now, maintenant, that is the way God did it. C'est de la manière dont Dieu l'a fait. Perhaps in the beginning, peut-être au commencement, Dieu était assis. God was sitting. Il a commencé à penser. He started thinking. De l'éternité à l'éternité. D'un bout de l'éternité à l'autre bout de l'éternité. Et il a regardé quelque chose pouvait tenir contre les tentations, contre les combats, contre les épreuves, contre les maladies. Et il a regardé à toutes les choses et il a trouvé les dénominateurs communs. C'était quoi? La parole. Dites amen à ça. La parole. And then, it seemed good to him. That was in the thought. And he spoke it. Il a parlé. And soon as it was spoken, et dès que ça a été prononcé, it became a word. Cela est devenu une parole. The thought was expressed in a word. La pensée a été exprimée en parole. So, la parole que nous avons aujourd'hui, the word that we have today, c'est la pensée exprimée de Dieu. The expressed thought of God. En d'autres termes, l'épouse connaît la pensée de Dieu maintenant. L'épouse connaît ce qui est son mari. The bride knows her husband. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen à ça? Parce que cette même parole qui est exprimée aujourd'hui, elle se retrouve où? Pas sur les papiers, pas dans les brochures, mais cette parole se retrouve dans l'épouse. L'épouse a la parole de Dieu. Elle connaît la volonté de Dieu. Dites amen quelqu'un. Amen, please. Alléluia. Praise the Lord. Ah, ça c'est la nourriture des aigles. That's the food of eagles. Amen. Frère Benham dit, now, listen to this. Écoutez, once God expresses his thought, une fois que Dieu exprime sa pensée, and makes it a word, et a fait de cela sa parole, he can never take it back. Il ne peut pas. Alléluia. Never. Il ne peut pas. God can never take back his word. Ça ne peut pas retourner. Il y a une chose qui ne peut pas se faire. C'est la retransformation de la parole en pensée. Ah, that the going back of the word in the thought. Ça ne peut plus se faire. C'était une pensée. Dieu a rendu cela la parole. Ça ne peut plus retourner en pensée. Dieu ne peut pas retirer sa parole. Le professeur Omar, do you see it? Voyez-vous cela? He gets back up on
bonite. Il ne peut pas reculer devant ça. Dieu ne peut pas reculer devant sa propre parole. Jamais. Ce que Dieu a dit, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, même si les montagnes se secouent, même si la terre veut s'écrouler, la parole de Dieu va s'accomplir. Elle n'échouera jamais. Voici une vierge concevra. Que vous le vouliez ou pas, Dieu créera une vierge qui va concevoir. Et Jésus doit naître. Même si dans ces temps-là, les gens ne vivaient pas une vie chrétienne. La vie était très mauvaise. Mais parce que Dieu avait parlé, la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu a une pensée créative dans elle. Elle doit créer. Oh, je vais entendre ton amen. Dans la parole de Dieu, il y a cette vertu de la création. La parole de Dieu crée. Même s'il n'y a pas un chemin, la parole de Dieu qui a été prononcée, ça doit créer un chemin. C'est pourquoi nous disons, He's the way maker. En réalité, c'est sa parole qui est the way maker. Parce que quand Dieu parle, que tu le veilles, que tu ne le veilles pas, la mer s'ouvrira et nous traverserons à sec. Si vous croyez, ça dit amen. Believe it, say amen. He cannot back up on it. Il ne peut pas reculer. He cannot say, je peux pas dire, well, I am sorry. Oh, je m'excuse. I made a mistake. J'ai fait une erreur. No, he can't say that. Non, il peut pas faire ça. He is infallible. Oh, il est infaillible. Infallible. Infaillible. 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 Je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas dire que I am sorry. J'ai mal parlé. Quand je t'avais promis quelque chose. That's not my God. Pas mon Dieu. That is not my God. Pas mon Dieu. Oh, Dieu ne peut pas dire que I am sorry. Il ne sait pas comment le dire. Jamais. Il ne dira jamais que I am sorry. Quand il a dit il te bénira, il sait comment il te bénira. Que le monde est en fait de toi. Que le monde fasse ce qu'il veut. Que le monde se secoue. La Bible ne jouera jamais. Dieu te bénira. Dis amen si tu crois ça. God is infallible. Dieu est infaillible. He is omnipotent. Il est omnipotent. Omniscient. Omniscient. Omnipresent. Omnipresent. You see? Voyez-vous. You and I. Vous et moi. As we grow along. Alors que nous we avançons, become educated. Ah, nous pouvons changer. We become educated. Ah, nous devenons plus intelligents. And smarter in everything. Et plus intelligents. We advance. Ah, nous avançons. The human race advance. La race humaine avance. Everything else advances but God. Toutes choses avancent en dehors de Dieu. God can never advance. Dieu ne peut pas avancer. Non, non, never. Non. Never. Non. Quelqu'un peut me répondre why? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Agree, why? Pourquoi? Because he was a perfect. Il était parfait. To begin with. Dès le commencement. Dieu n'a jamais été imparfait. Il a été parfait pour commencer. Oh, j'aime ça. Avant toutes les choses. Avant de créer toutes les choses. Le grand Elohim était parfait. Le grand Elohim was perfect. Alléluia. Et après toutes les choses, il va demeurer quoi? Parfait. C'est-à-dire que la parole de Dieu elle est parfaite. Elle ne peut pas échouer. Ce soir, toutes les choses que Dieu a dit de toi, tout ce que toi tu reconnais, que c'est une promesse pour toi, sachez que ça n'échouera pas. Ça doit s'accomplir. C'est ce que moi je crois. Que tu le veilles ou pas, ça s'accomplirait. Mais ça s'accomplira quand? Pas à ton temps, mais au temps de Dieu. Au temps de Dieu. J'aime ce cantique-là. In his time. En son temps. En son temps. In his time. Il fera que toutes choses soient meilleures. En son temps. In his time. Pourquoi? Why? Mais il est Dieu. He's God. Il est Dieu. He's God. Listen. Écoutez. Everything is advances with God. Toutes choses s'améliorent en dehors de Dieu. He was perfect to begin with. Il était parfait dès le commencement. He will be perfect. Il sera parfait. When it's all over. Quand tout est fini. Oh my. Ça doit te faire du bien. Il a été parfait pour commencer. He was perfect to begin. Et il sera parfait. He's gonna be quand toutes les choses finira. When everything else is over. Dieu sera parfait. God will be perfect. En lui, il n'y a pas d'échec. En lui, il n'y a pas de raisonnement. En lui, il n'y a pas de questions. No question. Tout ce que Dieu dit, ça doit arriver. To c'est parfait. It's perfect. Mais ça, c'est la parole.
Parce que c'est tiré d'une source qui est parfaite. It's coming from a perfect spring. Listen, it will be perfect. Vous serez parfait. When it's all over. Quand tout est fini. He is still perfect. Mais lui, il est toujours parfait. And he can say. Et il ne peut dire. Il peut dire. He cannot say. Il ne peut pas dire. Well. Yeah. I got a better way of doing this. Oh, j'ai une meilleure manière de faire ceci. Because I have learned more. Parce que j'ai appris d'autres choses. No. No. No, sir. Non, monsieur. I have a better way to help you. I have a better way to heal you now. Because I've learned more. Parce que j'ai appris. Cette phrase ne peut pas venir de Dieu. La manière que Dieu avait aidé Daniel, c'était la meilleure manière. Mais Dieu va aider tous les Daniels d'aujourd'hui. La manière que Dieu a aidé Abraham, c'est la meilleure manière que Dieu avait choisi. Et Dieu ne peut pas changer la façon d'agir. Parce qu'il est Dieu. S'il a donné un enfant à Abraham, malgré son âge, malgré la stérilité, Dieu le fera aujourd'hui à quelqu'un qui remplit les conditions exactement comme Abraham. Say amen somebody. Ça ne peut pas échouer. La manière dont il a aidé dans l'Ancien Testament, il doit le faire aujourd'hui pour être Dieu. Sinon il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Oh, not God. Alors s'il n'est pas Dieu, if he's not God, pourquoi l'adorer? Why to worship him? Pourquoi l'élever? Why do we lift him up? S'il a fait de Samuel un prophète, if he made of Samuel a prophet, est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Can God do it? Aujourd'hui. Today. Frère m'a dit le prophète du Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu ne peut pas faire de tes enfants des prédicateurs? Est-ce que Dieu ne peut pas faire de tes filles des servantes de l'Éternel? Je ne crois pas. Je crois que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne les limitez pas avec tes raisonnements. Ne les limitez pas avec les décisions que les hommes sont en train de prendre sur ta vie. Pour te dire que tu es joué. C'est pas Dieu qui l'a dit. C'est pas Dieu qui l'a dit. C'est l'homme qui l'a dit. La Bible dit que chaque parole d'un homme soit considérée comme mensonge. Oh toi tu n'avanceras pas. Oh toi tu ne te marieras pas. Oh toi là je t'avance. Toi tu es qui? Pour juger ma vie. Oh toi tu n'iras pas de loin. Oh toi tu feras pas ceci. Toi tu n'auras pas ça. Toi tu n'auras pas ça. Qui es-tu? En vertu de quelle autorité tu peux mettre un point dans ma vie? Alors que j'ai un Dieu qui n'est pas mort. That is not il vit. He lives. Mon Dieu vit. My God lives. Et il a déjà parlé. He's already spoken. Oh, je me sens bien cet après-midi. Well, il a déjà parlé. He's already spoken. Ce qu'il a dit, what he ça ne chouera pas. Rabbi ne parlera pas God deux God fois. L'Esprit a déjà parlé. Il ne parlera plus jamais. Ce que Dieu a dit, ça doit s'arriver. J'ai dit ça doit. I say it has to. J'ai dit ça doit. I say it must. Vous êtes avec moi. I am with you. Now. Maintenant. So therefore. Ainsi. Teaching divine healing now. Disons, enseignant la guérison divine maintenant. How could someone say? Comment quelqu'un peut dire? That God wasn't a healer. Que Dieu n'était pas un guérisseur. How? When in the beginning, back under the Old Testament. Alors qu'au commencement, là pas dans l'Ancien Testament. In the old days. Dans les anciens jours. Which were shadows. À qui était l'ombre. God could have made it perfect. Dieu pouvait rendre cela parfait. Alors que c'était l'ombre. Dans l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un malade. Même les lèpres étaient guéris. Les stériles. Ils pouvaient concevoir. Là-bas dans le désert. Il a demandé à Moïse. Il a dit à Moïse. Je suis l'Éternel. Qui t'a guéri. De toutes tes maladies. Il n'y avait pas de Saint-Esprit. Personne n'avait le Saint-Esprit. Dieu n'était pas dans la chair humaine. Dieu était dans la colonne de feu. Il n'était pas dans les hommes. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans la colonne de feu. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Dieu, dans des hommes. Dieu dans les hommes. Comment Dieu ne peut pas reproduire ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament? Comment? Il doit rendre ça aujourd'hui parfait. Parce qu'il a dit là-bas. Il could make it perfect. Il pouvait le rendre parfait. He spoke. Il a parlé. His word. Sa parole. It would this way.
Il a dit un mot, il a dit quelque chose. Ça devait arriver de cette manière ou de l'autre manière. And the prophet said, that was the best way out. Ça, c'était la meilleure manière de s'en sortir. C'était quand? When was it? À l'Ancien Testament. C'était quoi? What was it? L'ombre. The shadow. Sans Saint-Esprit. Dis-moi qui avait le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament. Nobody. Personne. Tout le monde attendait la colonne. Everybody was ready for the pillar of fire. Ils attendent de voir. You waiting to see. Yewanazo le cavion. Partons-nous tous, la corde de feu. The pillar of fire. Mais dans cet âge. In this age. Come on, tell me about this age now. Come on now. Dans cet âge. In this age. Dans cet âge, in this age, nous ne sommes plus comme au temps de Moïse. This is not my time of Moses. Dans cet âge, in this age, Fabanam dit dans l'âge de Pergame, à la page 164, remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait rien qui ne lui soit. D'abord été montré par le Père. Jean 5 et 19. Et cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole et des vies. Of life. Elle la reçoit. She received it. Qui? Who? L'épouse. Mais c'est qui l'épouse? Who are you? Who is the bride? Mais je suis là. Elle la reçoit. She received it. Elle n'en doutait jamais. She never thought about it. Jamais. Elle la reçoit. She received it. Elle reçoit quoi? She received what? La parole. The way. Les promesses. The promises. Elle la reçoit. She receives it. La parole c'est qui? Who is the word? C'est Dieu. That's God. Elle reçoit qui? Dieu. God. Elle n'en doute jamais. She never doubt. Jamais. L'époux ne peut pas douter de son épouse. The groom cannot doubt about the bride. Dit l'épouse ne peut pas douter de son époux. The bride cannot doubt about the groom. Yo t'aime de voir au balayé. Yenda balio. He's the one that married you. Oh là là, ça me fait du bien. Oh my, that's a good feeling to me. Écoutez, listen, elle n'en doutait jamais. She never thought about it. C'est pourquoi that's why. Rien ne peut lui nuire. Nothing can harm her. C'est ça la promesse. Rien ne peut te nuire, toi, avec la parole de Dieu en toi. Rien ne peut te nuire. Ils vont faire des filets. Ils vont faire des complots, des projets. Ils vont t'attaquer. Ça va même arriver. Mais la Bible dit, le prophète a dit, rien ne peut te nuire. Leur propre feu, ça leur sera retourné. Parce que rien ne pourra te nuire. No matter what. Rien ne pourra te nuire. Tout ce que tu vois là, c'est seulement Dieu qui pour te permettre de prier. Mais en fait, ta vie n'est pas comme un balobanie bébité. Your life is not spoiled. Ça ne peut pas être nuit. Qui va nuire ma vie? Who is gonna harm my life? Qui a les codes pour accéder à ma vie? To access to my life. Qui a les codes pour accéder à ma vie? Il peut me donner des maladies, oui. Mais je m'en fous de ça. La Bible dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps. Mais craignez celui qui détruit l'âme. Mais qui va accéder à cette âme-là? Qui? Par quelle autorité? Si Dieu a dit à Satan, touche le corps des gens, la bénédiction des gens, mais sa vie. Sa vie, his life. Attention, be careful. Parce que ma vie est là-bas. My life is there. Toucher à l'âme d'une épouse, c'est toucher à Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu dans son âme, somebody say amen. La parole de cet âge, le message de l'air, apporté par Malachi 4, ne doit pas être dans la tête des chrétiens, ça doit être dans l'âme. C'est ça. Bye. Oh, voilà les choses. Si tu crois ça, dis amen. You believe that, say amen. Rien ne peut lui dire. Nothing can harm her. Pas même la mort. Not even death. Pas même la mort. Not even death. Never death. Même pas la mort. Ça ne peut pas nuire l'épouse. Cannot harm the bride. La mort est sous tes pieds. Death is under your feet. La mort ne peut plus te nuire. Death cannot harm you. Tu as l'autorité sur la mort. You have authority upon death. Tu peux retarder ça. You can linger. Tu es plus fort que la mort. You're stronger than death. Tu peux parler à la mort. You can talk to death. Tu peux parler. You can talk. Et la mort va te fuir. Death will flee.
Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. Fabien m'a dit, nous possédons toutes choses. C'est pourquoi, même devant la mort, tu peux prier les cadavres pour revenir à la vie. Parce que, mais tu as la capacité. Tu as la capacité. Et si on te donne l'autorité sur la mort, qu'en est-il de ces gens qui amènent la mort? Si tu as l'autorité sur la mort, qu'en est-il de ces petits démons-là? Ces petits magiciens de rien de tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Absolument rien. Tu es en train de leur donner la valeur. Quand tu cites leur nom à tout moment, ne leur donne pas de crédit. Ils n'ont rien à te faire. Tu es supérieur à eux. Tu es plus fort qu'eux. C'est le moment. C'est le moment. Parce que toi tu as la parole de Dieu. Because you have the word of God. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. They don't have the word of God. Qu'est-ce qui peut gagner la parole? What can beat the word? Ça c'est profond. This is deep. Dieu God ne peut pas gagner sa parole. Oh, cannot beat his own word. My. William Branham a dit, Dieu God ne peut même plus changer sa parole. Cannot even change his word. C'est ce que Dieu a dit. What God has said. Comment Dieu peut changer ça? I cannot change it. There's no way. Impossible. No way. Impossible. Il a dit, don't te dim. He said, give your tithe. Je menacerai. I will threaten. La teigne, tes ennemis. Je menacerai tout le monde qui te menace. Anyone that is going to fail. Parce que Dieu échoue. You think God failed? Toi donne ce matin dit. You just give your tithe. Observe la suite. Let's look at the. Si Dieu n'accomplit pas God ça, doesn't fulfill. Alors Dieu est un menteur. God is a my. Oui c'est ça. Ha. Moi je paye bien mes dîmes. I pay my tithe. Du premier au 30. From first to the je paye bien mes dîmes. I pay my tithe. Et au travail. Un petit circoncis de comme ça. Like il m'embête à la vie. Father, on me licencie, lui il reste. I got fight, he will stay. Come on. Ou bien tu ne reconnais pas qui tu you es. Don't recognize who you are. Et tu l'acceptes aussi. And you accept it. Non, moi je n'accepte pas I'm ça. Not accepting it. Parce que Dieu God's God ne peut pas cannot gagner sa parole. Beat his word. Non. No. Non. No. Dieu ne peut pas échouer God cannot fail face à sa parole. Face to his word. Et maintenant, cette parole-là not that word est en toi. Is in you. So you tell me. Et si dis-moi maintenant comment tu peux échouer? How can you fail? Not me. Dis-moi comment not me tu peux dormir? How can you sleep? Les avions atterrissent sur ta tête. The planes are landing on your head. Dis-moi comment tell me how tu peux dormir? You can sleep. Ta maison devient la gare des trains. Your house become the train station. Les gens parlent là-bas. Tchaka. Dis-moi comment tell me how. Épouse du Seigneur Jésus Christ, membre de l'Assemblée de Charlotte, you need to wake up yourself. You need to shake up yourself. Tu es plus fort que les sorciers, plus fort que les magiciens. Ils ne te feront absolument rien. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu crois ça? You take it. Pas même la mort. Not even death. En effet, in effect, si la semence est mise en terre, if the seed is put in ground, l'eau la ramènera à la vie. What is going to bring it back to life? En voici le secret. Look at the secret. C'est quoi le secret? What's the secret? La parole the word est dans l'épouse. Ah, voilà, is it the bride? Comme elle était it was à Marie. In Mary. Exactement. La même chose au Seigneur Jésus. La parole the word est dans une seule personne. Is it one person? Dans une seule épouse. In one bride. La parole the word est dans l'épouse. Is it the bride? Comme elle était as it was dans Marie. In Mary. Oui. Marie avait la parole. Mary had the word. Elle était sous la visitation. She was under the visitation. De l'ange Gabriel. Of the angel Gabriel. Je te salue Marie. Hail Mary. Plein de grâce. Full of grace. L'Éternel est avec the toi. The Lord is with you. Tu es choisi parmi toutes les femmes. Chosen among all the women. Voilà, 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 look, voilà. Look. Et la parole est venue. The word came. Elle est entrée en moi. It stepped into Mary. La parole avait la vie en elle. The word had life in it. Déjà là, avant que ça sorte. Before it comes out. Elle avait la vie. It had life. À l'intérieur. In there. Citant seulement le nom de la parole. But just saying the name of the word. Ça donnait la vie. That gave life. Donc il y avait le transfert de la vie dans le ventre. Of life in the womb. Pas la prière. Not the prayer. Pas les jeûnes. Not the fasting. Pas des supplications. Not supplication. Oh ma. Hallelujah. Simplement par le nom de la parole. Just by the name of the word. En citant le nom de Jésus. By saying the name of Jesus.
Il a dit d'ailleurs. Besides, il m'a dit. He said, on l'appellera. He's going to be called Jésus. Jesus. L'enfant qui était mort dans les vents. Jean-Baptiste. Il était mort dans les vents. Frère Branham a dit, en citant seulement le nom de Jésus, la vie était dans le nom de Jésus. Cette vie était transférée dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était ressuscité. Non seulement ressuscité, mais il était un païen dans les vents. Mais quand le nom de Jésus a été cité, il a été baptisé du Saint-Esprit dans les ventres. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, today, nous sommes dans la visitation du septième ange de Malachie 4. La parole n'est pas dans les brochures. La parole est dans l'épouse. Elle doit donner la vie. It has to give life. Oh, mais je me sens bien là. Je dis elle doit donner la vie. Give life. La parole est seulement dans les pasteurs. We don't need the pastor. Là, c'est l'intimidation. That's la parole est seulement dans un homme. C'est l'intimidation, monsieur. Aujourd'hui, la parole est dans chacun de vous. Today, the word is in each one of chacun doit prononcer la parole et créer des écureuils. Créer même plus que les écureuils. Parce que tu as la parole en toi. Comme elle a été en Marie. Je ne dis même pas comme elle a été en Branham. En Marie. In Mary. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et l'épouse and the bride a la pensée de Christ, as the thought of Christ. Car elle sait, because she knows, ce qu'il veut qu'on fasse, what he wants us to do, de sa parole, of his word. L'épouse, the bride, elle sait, she knows, ce que Dieu veut, what God wants, qu'on fasse avec sa parole. For us to do his word. Sa parole n'est pas efféminée. Word is not effeminate. Non, sa parole doit être maniée. His word is to be manipulated. Elle doit être utilisée. She gotta be handled. Elle doit créer. She gotta create. Elle doit fermer les cieux. She gotta close heaven. Elle doit embrouiller nos ennemis. She gotta confuse our enemies. Oh, vous ne savez pas comment vous mettez les camps en débandade. Quand vous croyez que vous êtes faible là. When you think you're weak. Non, vous n'êtes pas faible. You're not weak. Ils souffrent. They have hard time. Il souffre. Time. Quand il vous regarde là, mais cette fille-là, comment je peux éteindre cette voix-là? Tu n'arriveras pas. Non, tu ne pourras pas. Même si elle est faible. William Branham a dit, just a little prayer. Juste une petite prière. Paralyze the demons. Paralyse les démons. Paralyze. Paralyse. The witch doctor. Oh, les sorciers. Just a little prayer. Juste une petite prière. Just a little prayer. Juste une petite prière. Just a little prayer. Juste une petite prière. Et qu'en est-il de toute la prière que tu fais là? About the whole prayer that you pendant have. Toute la nuit. All night long. Est-ce que tu connais les conséquences? Do you know consequences? Parce que le diable ne viendra pas te dire obéis-moi trop jamais. You hit me so much, no. Devant toi, il fera comme si tout va bien. Like il te montrera toujours je suis béni. Show you I'm blessed. J'ai une maison. I have a house. C'est pas la preuve de la bénédiction. Not the proof of the blessing. Non, surtout pas. Oh, j'ai l'argent. I have money. C'est pas la preuve. That's not proof, no. Est-ce qu'il dort? Does he sleep? Est-ce qu'il est en paix? He's in peace. L'épouse a la parole. The bride has the word. Et elle sait. She knows. Ce que Dieu veut. What God wants. Qu'on fasse avec sa parole. For her to do his word. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole? What do we have to quel do? A été d'abord l'objectif de la what parole? The purpose qu'est-ce of the que word? La parole a fait sur la terre? What the word has done on the earth? Destroying. Détruit. C'était ça la mission de Jésus. That was the mission of Jesus. Destroying. Détruit. The stronghold. Ah, les forteresses. Of the devil. Du diable. Partout là où Jésus passait. Anywhere Jesus was going. Lazare, sors. Come out. Allez, jeune fille, young reviens girl. À la vie. Come back to life. Tempête, calme-toi. Oh, stop, c'est si. Moi, j'aime ce Jésus. Maintenant, lui, il est parti. Now he's gone. Et il a pris la puissance qu'il avait. Took the power he had. La parole qu'il avait. The power he had. Parce que la Bible dit, the Bible says, tout ce qui était en Dieu that was in God. Était déversé en Jésus. Was poured in Jesus. Tout ce qui était en Jésus that was in Jesus. Est déversé dans l'église. He's poured in the church. Amen. Pour faire quoi? To do what? Quand tu marches, when you walk, pour continuer to continue, l'œuvre que Jésus faisait, the way Jesus was doing, c'est ça le but pour lequel tu as reçu Dieu. Why you receive God. Ce n'est pas suivre tout le jour pasteur à ta piste. Pasteur à ta piste, qu'est-ce que pasteur tu passes? Pasteur à ta piste, non. You have the capacity. Tu as la capacité. Tu as l'autorité de tracer les lignes et de dire que vous ne traverserez so jamais ici. No fly zone. Oh yes. No fly zone. Ah, in zone pas de no fly zone. Oh, tu dois tracer ça. You have to cross. T'es dans ma maison. In my house. J'établis les no fly zone en application. Oh, I
dans ma vie, dans mes études, je veux placer les no-fly zones. Un endroit où l'avion ne peut pas voler. Mais parce que tu as la parole. Because you have the word. Et tu as la capacité. You have the capacity. Ne sois pas toujours tourmenté. Parce que le diable nous présente. À chaque fois qu'il amène un problème, nous partons pleurer. À chaque fois qu'il amène un souci, nous partons gémir. À chaque fois que l'épreuve arrive, nous disons que Dieu nous a abandonnés. We are more. Nous sommes plus. Powerful. Plus puissant. Than all the problems that we have. Que tous les problèmes que nous avons. Tu dis amen à ça. You say amen. I say amen. Si le problème était plus fort que toi, was stronger than you, tu serais mort. You'd be dead. Mais pourquoi tu ne meurs pas? Why don't you die? Parce que je suis plus fort. Boutou noza ki ma be. Oh, your night was not good. O bundi banda 20 heures. Starting 8. Puis 4 heures. Until 4. Mais à 6 heures. At 6. O lamuki. You stand up. Mais c'est que tu es plus fort. Because you're strong. Qui est plus fort? You are strong. C'est toi ou c'est celui-là? You are the one. Qui était venu t'attaquer là? To attack you. Hey. Hey. Qui est plus fort? Oui, strong. Et ce soir encore, tu dormiras. Sleep. Et demain matin, tomorrow, tu te réveilleras. You will wake up. Alors qui est plus fort? Oui, strong. Nous perdons le temps. We wasting time. De pleurer devant les problèmes. Cry in front of the problem. Devant la maladie. The sickness. Oh, Satan veut m'avoir. Satan, want to get Satan veut faire ceci. Mais Pierre Bandage, tu l'as ton coufi. Le problème n'a pas commencé ici. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, le problème avait commencé. Il avait commencé. Quand tu es sorti, tu étais bien reçu entre les mains des incrédules. Ils ont commencé à t'attaquer dès la première seconde que tu es sorti. Ta vie n'a pas été facile. Aujourd'hui, tu ne peux pas être intimidé quand on dit qu'on t'attaque. Est-ce que c'est une nouvelle pour toi? Is it a news for you? Moi, ce n'est pas une nouvelle. That's not you. Non, je sais. Et en prêchant la parole, j'ai des ennemis qui vont m'attaquer. J'ai des jaloux qui vont attaquer l'église à cause de son feu, à cause du réveil. Mais je suis bien informé. I am well aware. Et tout ce que je dois faire, all I have to do, c'est le pourchasser. Hand them down. Quand ils arrivent, ton bimi na fenêtre, ton laquelle il va remonter, et nous continuons la route. Mais les attaques seront là. Et nous avons une promesse. We have a promise. Selon la semence d'Abraham. Vous connaissez notre promesse. On va partager la promesse. On va partager les portes. La Bible dit, nous posséderons chaque porte de nos ennemis. Peu importe l'ennemi, qu'il soit géant, qu'il soit court, même s'ils sont nombreux, j'ai une promesse de posséder. Même si c'est toute une église, je le posséderai. Même si c'est un pasteur, il sera sous mes pieds. C'est ça la vérité. C'est ça ma promesse. Et Dieu ne peut pas changer ça. God cannot change it, no. Dieu ne peut pas dire à ta piste, I'm God sorry. Piece, you are sorry. Tu t'excuses. Sorry, Nayomoko. Excuse-toi toi-même. Mais ce que tu avais dit, what you say, ça doit arriver. Has to come to... Ça doit arriver. Comment? Toi, tu m'as dit you told me que toute arme est forgée contre any moi weapon made against me sera sans effet. Will be with no effect. Et puis, my feu, all the effect that I feel on my body. Ça veut dire quoi? What does it mean? God has to take it back. Dieu doit enlever ça. Mais ça ne m'appartient pas. It's not mine. Nous mourons par ignorance. We die by ignorance. Ça arrive, tu dis, bon, je comprends. Happens, you say, moi, je ne comprends pas. Peut-être c'est parce que je n'avais pas bien dormi. Because I didn't sleep well. Alors j'ai des maux de tête. Then I have headache. Non, ce n'est pas parce que tu étais mal not dormi, non. You slept the... C'est que c'était une attaque de l'ennemi. That was an attack of the enemy. Vous vous sentez bien? Are you feeling well? Oh, j'aime ça. Mais moi, je me sens très bien. I'm feeling so well. Notre Dieu. Our God. Proverbe dit ceci. Proverbe say this. His action. Ses actions. His words. Sa parole. His thought. Sa pensée. Everything. Toute chose. Comes from one pure, unadulterated stream of perfection. Vient d'un seul endroit qui est la fontaine de la perfection. Exactement. Now, maintenant, when
He puts your faith back like that. Quand il ramène votre foi à ce niveau-là. Healing becomes simple. Alors la guérison devient simple. Because God already spoke it. Parce que Dieu l'a déjà dit. If he said, si il a dit, I am the Lord that heals for all the diseases. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. That settles it for the eternity. Alors cela règle la question jusqu'à l'éternité. Je ne parle pas du service d'aujourd'hui. Je parle de l'éternité. Eternity to eternity. Cette parole est valide. Oui. Je suis l'éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Faut bien me dire, that settles it for eternity. Cela règle toute la question. And it has to be. Cela doit être comme ça. Assemblée de Charlotte. Est-ce qu'il y a le fils de Malachi 4 ici qui peut dire amen à ça? I am right here. Come on now. It has to be. Cela doit être. When he speaks it. Quand il a parlé. He cannot take it back. Il ne peut pas le reprendre. He cannot say, wait, I made a mistake. Il ne peut pas dire j'ai fait une erreur. No, because he's perfect. Parce qu'il est parfait. There cannot be a mistake from eternity to eternity. Il ne peut pas y avoir une erreur à l'intérieur de l'éternité jusqu'à l'éternité. Not even a mistake. Pas même une erreur. Chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il ne connaît pas ces mots-là. Erreur. Mistake. Il est parfait. He's perfect. De l'éternité à l'éternité. To eternity. Alors comment je vais échouer? How can I fail? I'm not failing. Comment je vais manquer les ciels? How am I gonna miss heaven? Dis-moi l'église, comment tu peux manquer les ciels? How can you miss heaven? I don't believe it. Non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ta confession. I don't believe in confession. Je crois ce que Dieu m'a dit. Believe what God told me. Je ne crois pas ta confession. I don't believe your confession. Si c'est positif, je dis oui. Positive, I say yes. Si c'est non, I don't believe. If it's no, je pense à tes côtés. Pasteur, je pense que je suis perdu. Pastor, qui? I think I'm lost. Who? Toi. You. Perdu où? Lost where? Tu vas effacer la photo de la famille. You're gonna erase the picture of the family. Parce que dans l'éternité, j'étais because avec toi. I was with you. De l'autre éternité, nous serons ensemble. The other eternity, comment tu veux me dire que tu es perdu? How you gonna tell me that you lost? And God. Et Dieu. Is pure forever. Il est pur pour toujours. Hey, pure forever. Pure pour toujours. Le prophète oh my. Prophète oh là là. When he said, quand il a dit, I will, je vais. That settles it. Ah, cela règle la question. Just when he says, I will. Juste quand il dit, je le ferai. Put whatever behind it. Peu importe ce qui arrive. I will. Je le ferai. That settles it. Cela règle. Donc, amène seulement Dieu au niveau de dire, I will. Just to bring God to the end of it, je le ferai. That settles it. Ah, cela règle la question. Ne l'amenez même pas à parler chapitre par chapitre. Oh, par. Non. Ah oui. Je le ferai. Moses. Moïse. Go. Va. Je serai quoi? Je dirai quoi? Juste comme ça, tout droit. Qui c'est? Comment ça sera? I is that going to be? Moïse. Moïse. I. Je. Will. Serai. Put what you want. Ah, mets ce que toi tu veux. Moïse a dit, be with me. Yes. Moïse a dit, être avec toi. Oui. Heal my diseases. Yes. A guérir mes maladies. Oui. Put whatever you want. Mais ce que toi tu veux là. Dieu. Quand il te dit déjà, I will. Je le ferai. Yeah. Kendo sinyengam. Ah. God trying to do something. Quand Dieu te dit, I will. God, when God said, Dieu ne peut pas changer. God cannot change. Faut me demander that settles it. Cela règle la question. L'éternité. Oh, je me sens bien. I'm feeling well. Ask what you shall. Demandez ce que vous voulez. And you shall receive. Et vous le recevrez. That settles it. Cela règle la question. That settles it. Cela règle la question. Ask and you shall receive. Demandez et vous recevrez. Le prophète dit, that settles it. Cela règle la question. Demandez. Ask. Et il vous sera. And it, point. That's, cela règle tout. That settles it. Je vais demander quoi? What am I gonna ce ask? Que tu veux. What I want. Les écureuils, toi. Squirrels, you. Le salut des enfants, toi. Salvation of children. La voiture, toi. Car, you. La maison. Demande ce que tu veux. Ask what you want. Arrête-toi par demander. Stop by asking. Pas de bleus. Not cry. N'aide pas Dieu pour accomplir not ça. Help God to fulfill his toi, word. Demande. You ask. Demande. Ask. Do what you can do. Fais ce que tu peux faire. C'est quoi? What is it? C'est demander. To ask. Et le reste, the remaining. Que Dieu prenne soin. May God take care of that. For when I'm doing that, settles it. Cela règle la ask the Father anything in my name. Demandez au Père n'importe I quoi. I will do it. Je le ferai. That settles it. Cela règle la and that is forever. Et cela est pour toujours. Because it is the word parce que c'est expressed. La parole exprimée. No, the word is expressed. La parole a été exprimée.
Il a parlé. He spoke. Est-ce que vous comprenez, frère? You understand, brother? Frère Espérant, tu comprends? Brother Espérant, are you getting? Parce que la parole est déjà exprimée. The word is already expressed. Ça veut dire que ça ne peut pas retourner. The word cannot go back to him. Non, ça ne retourne pas. Non, il est allé le souster. I gave it to you. Et vous tous aurez insisté. It's not coming back. Ça doit s'accomplir. It has to come to pass. Je vous ai lu ici le mercredi. Dieu a dit, God said, vous imposerez les mains aux malades. The hand of the sick. Et les malades seront. The sick will recover. Si vous imposez les mains aux malades, the hand of the sick. Et ils ne sont pas guéris. They don't recover. Dieu a échoué dans ses objectifs. God has failed in his purpose. Dieu peut accepter toute sa vie God que toi tu l'échoues. It's like for you to wear fail. Non, you mon quoi là dingue na yo. You say fail on your own. Mais la parole de Dieu, the word of God, ça ne peut pas échouer. Cannot fail. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas échouer. That cannot fail. Si tu crois ça, dis amen. If you believe that, say amen. I say, oh, amen. J'aime ça. Écoutez, j'aime ça. Oh my, I'm loving this. Cette partie ici, je l'aime. This part, I'm loving it. Paragraphe 19, frère, madame 19. And A. If he said, see D. He was the lamb slain from the foundation of the world. Il est l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. That is, cela est, the very moment that God perceived the thought. Au moment où Dieu a conçu la pensée. And the thought was created by God himself. Et la pensée a été créée par Dieu lui-même. Vous comprenez? Do you understand? I do. I'm... Est-ce que vous comprenez? Do you get it? Yes. Déjà dans la pensée de Dieu. The thought of God. Dans sa pensée. In his thought. Il a pensé à un agneau. He thought about a lamb. Qui devait être immolé. That was to be slain. Et dans sa pensée là, in his thought, l'agneau a déjà été. The lamb was slain. Donc ma solution c'est ici là. So the story is finished. Et frère Bonhomme m'a dit c'était là that was there. Qu'il a placé même ton nom dans les livres de vie de l'agneau. In the book of life of the lamb. Où? Where? Avant la fondation du monde. Before the word foundation. Donc ma solution c'est vida. It's already finished. Donc tout dans ça les amas distraction à la vie. Parce qu'en réalité je ne serai jamais perdu. Parce que mon nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde. Before the word foundation. Oh, je me repose là-dessus. C'est là que je me repose. And every time, et chaque fois, that God makes a thought, que Dieu conçoit une pensée, it is a creation. C'est une création. Ça c'est Branham. That Branham. He says every time, chaque fois, God makes a thought, que Dieu conçoit une pensée, it is a creation. C'est une création. And when He speaks it, et quand il la parle, it becomes a reality. Cela devient une réalité. My. Quand Dieu pense. When God thinks, c'est déjà créé. It's already created. Quand il parle, when he speaks, ça devient une réalité. That becomes a reality. My. Et à chaque fois qu'il pense, anytime he thinks, I don't even know if you understand this. Je sais pas si vous comprenez. Toi et moi, nous sommes des aventuriers. Nous raisonnons, ça ne produit rien. Nous pensons, ça ne réduit rien. Je pense manger l'hamburger, mais je dors affamé. Je pense à une Mercedes, mais je pars chercher le bus. Mais quand Dieu pense, when God thinks, le prophète dit, every time, when he talks, quand il pense, it's a creation. C'est une création. And when he speaks it, quand il parle, it's a reality. C'est une réalité. Say amen, somebody. Dis amen. Dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Donc ce que Dieu a dit de toi, c'est déjà créé. It's already created. C'est une réalité. C'est déjà créé. C'est une réalité infaillible. La parole de Dieu a la puissance de l'infaillibilité. Et il a donné ça au prophète. Alléluia. Nous avons aujourd'hui l'infaillibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut jamais échouer. Jamais faillir. When he think about it, quand il pense à cela, it's a creation. C'est une création. When he speak about quand it, il parle, it's a realization. C'est une réalité. Maintenant, écoutez ça. Ça, c'est une bombe qui arrive. Listen to this bomb. So, ainsi, every word of this Bible, chaque parole de cette Bible, is God's spoken creative thought. C'est la parole créé de Dieu dans la pensée. En d'autres termes. In other words, God, it is. C'est. Comment? Yaga papa yaga.
Message en anglais. Zamba te en anglais. God preached. Yo voga interpréter en anglais. As they preached. My 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 my. Tolo ba interpréter. You gotta say what they anglais. In English. Hey, right here. Every word of this Bible. Chaque parole de cette Bible. Is God's spoken creative thought. C'est la pensée créative parlée de Dieu. Voilà. C'est chaque parole qui est dans la Bible. Each word in the Bible. Tout ce qui est écrit dans les psaumes. All that is in the proverbe. Proverbe. Deutéronome. Deutéronome. Tout ce qui est écrit là. Anything written there. Tout ce qui est écrit. Anything written. C'est ça. Tu appelles ça comment? You call la parole et la pensée. La pensée. La pensée créative. Parler de Dieu. Ah voilà. Ah. It is God's spoken creative thought. Ah, c'est la pensée créative parlée de Dieu. Ah, and every time. Et chaque fois. It is taken into the right ground. Que cela tombe sur une bonne terre. It will be made manifest. Cela va être manifesté. Et Frère Benoît m'a dit. Amen. Amen. Mets-toi, écoutez-moi d'autres, je vous donne l'exemple. Que la lumière soit. Let the light be. Et la parole de Dieu. The word of God. Qui était une pensée créative. That was a creative thought. Parce qu'elle a été tombée God sur une terre. On a qui était fertile. Ça a produit le soleil. Les étoiles. La lune. Ça a produit toutes les choses. Et aujourd'hui. Today, tu seras la tête. Et non la queue. C'est exactement la même chose. Si la même parole tombe sur une terre qui est fertile, ça ne demande pas d'explication. Personne ne peut interpréter Dieu. On les croit. On les croit. Et sa voix s'est manifestée. On n'interprète pas Dieu. Non. Il voulait dire. Il voulait dire quoi? Toi, tu étais là. Il ne voulait pas dire ça. Il a dit, tu ne mourras pas. Tu témoigneras. Tu confesseras. Tu parleras. Les œuvres de l'Éternel. Qui va me l'expliquer? Même si je suis dans les ICU. Même si le sang est terminé dans les corps. Même si je suis dans un accident. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. The works of the Lord. Je vivrai. I will live. Je vivrai. I will live. Mais c'est la parole de Dieu. That's the word of God. Vous voulez m'envoûter? You want to be with me? Go ahead. Allez-y. Vous voulez me tuer? Want to kill me? Go ahead. Allez-y. Try if you can. Essayez si vous pouvez. Mais ce que moi je sais. What I know. Je ne mourrai pas. I'm not dying. Je vivrai. I will live. Je raconterai. I will tell. Les œuvres de l'Éternel. The works of the Lord. Je raconterai. I will tell. Ce que Dieu a fait dans ma vie. What God did in my life. Ce que Dieu a fait dans mon église. What God did in my church. Je ne vivrai pas. I'm not dying. Que mes ennemis ne meurent pas. My enemies are not qu'ils soient là. Let them be. Parce que moi, ta puce, je raconterai. I will tell. Les œuvres de l'Éternel. The works of the Lord. Il accomplirait dans chacun de vous. He's gonna fulfill. Oui, in each one of you. Yes. Ça me fait un peu du bien. That's a good feeling to me. Wow, frère Marc, viens s'il te plaît, si vous comprenez. Yes, sir. Yes, sir. Then all these books drop away. Alors, toute chose qui peut être placée. Every shadow moves. Chaque ombre qui bouge. And we stand anchored. Mais cependant, nous restons ancrés. Things will move. Facebook est finger. Facebook, ils vont tout ce qu'ils veulent. Ils vont critiquer, ils vont attaquer, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais biso, to yekama. We are anchored. To yekama. We are anchored. Même si le monde est contre nous. To yekama. We are anchored. Allez-y, allez-y. Nothing can shake you in there. Rien ne peut te bouger à ce moment-là. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? All the superstition. Toute la superstition. All the ups and downs. Oh, tous les hauts et bas. Is passed away. Sont passés. Is passed away. C'est déjà passé. Oh, pasteur, j'étais tombé. Pasteur, j'étais ceci. It's passed away. C'est déjà passé. J'étais dans la boîte de nuit. J'étais comme ceci. It's passed away. C'est déjà passé. Déjà passé. We are right on the word. Nous sommes sur la parole. God cannot do nothing. Ne peut rien faire. But to honor his word. Rien faire d'autre si ce n'est d'honorer sa parole. He has to keep it. Il doit la garder. Why? Pourquoi? It is him.
Ça, c'est lui. La seule chose que Dieu peut faire dans ta vie, c'est tenir, c'est honorer sa parole dans chacune de vos vies. Dans chacune de vos vies, il y a une seule chose que Dieu doit, je dis bien, il doit faire, c'est honorer sa parole. Mais pourquoi, pasteur? Parce que c'est lui. Do you understand me? Dieu honora sa parole. C'est Dieu s'honorer lui-même dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you get me. Dieu God n'a qu'une seule chose à faire. There's only one thing to do. Dans la vie de l'Assemblée chrétienne de Charles. C'est quoi? What is it? C'est honorer sa parole. His word. Sa parole, c'est qui? What is his word? Maintenant, honorant sa parole, il honore qui? Et s'il déshonore sa parole dans ta vie, il déshonore qui? Il déshonore qui? Lui-même. Tout le monde me connaît comme un chrétien. But he knows me as a Christian. Mais Dieu ne peut pas m'aider pour vivre comme un chrétien. Come on, God cannot help me to live. Il se déshonore lui-même. He dishonors himself. L'opprobre, c'est sur son nom. The reproach is upon himself. Josué a dit, Joshua said, Éternel, Lord, même si tu ne veux pas nous aider, even though you want to help, don't want help us. Qu'est-ce qui est arrivé à mon nom là? My name, même si les gens se moquent de mon nom. People mock me, say, yeah. Papa, c'est la plus petite des choses que tu peux passer. Que les gens m'injurient moi. Mais c'est passé, non? That's God. Qu'est-ce que ça va me faire moi? What is it gonna do me? Tala imutu munene après. Oui, mutu amweza munene. Yes, my head is big. So weza mukena kokwe, ifa za munene pour s'équilibrer. Let it get the equilibrium. Et après ça quoi? After that what? Mais qu'est-ce qui deviendra ton nom? I put your name. Pas mon nom. Not my name. Mais combo na lata. Combo na mema. The name that I na famille ba yebingai. Say no. Te na changa combo. I change the name. Baye bingai. Te na changa combo. I change the name. Na kartye baye bingai. Te na sambe laka. I pray. Oh, baye biango. Mais quel sera ton honneur? What's gonna be honor? Mes amis savent que moi je suis un chrétien. On m'appelle même un branamiste. They call me branamite. J'accepte ça à cause de toi. I accept it because mais quel sera ton nom, Père? What will be your name, si tu peux pas enlever cette mauvaise vie. You cannot remove this evil life. Si tu n'arrives pas à m'aider, if you cannot help me, mais les gens vont se moquer de people toi. Will mock you. Que deviendra-t-il ton nom? What will become your name? Ton grand nom. Your great name. Si tous mes enfants doivent devenir des couloirs, all my children gotta become mercenaries. Que deviendra ton grand nom? What will be your great name? Seigneur, est-ce que tu penses à ça? Lord, do you think about it? Ask him that we. Bon bang, tu veux bon tout n'akayango le lolo lolo tout n'ay. Today yes, je vais lui demander. Ah, ozoti kanga ne shuwe boy. You leave me failing him. Est-ce que vous pensez n'importe quoi là yo? What does he gotta say about you? Parce que bah yebinga kena kenda barte. Say no, I don't. Na kenda na nighte. Na kenda boite de nuité. I don't go in nightclub. Bah yebinga du lundi au premier. They know me from Monday. Je suis à l'église. I'm in the church. Mais dans cette église là. In the church. Dans les bars, le diable m'aide. In the nightclub, the devil helps me. Quand j'ai des soucis, je when prends l'alcool. I drink alcohol. Je deviens ivre. I become drunk. Comment le diable m'aide? The devil. Mais comment je suis à l'église tous les jours? I'm in the church every day. Je n'ai même pas l'émotion. I don't have emotion. Même pas le Saint-Esprit. Not even the Holy Spirit. Ah? Eh? Même pas les sensations. Not even sensation. Non. Alors qui deviendra? Oh, he's going to become. Ton grand nom. Your great name, Seigneur. Ton grand nom. Your great name. Yangate. Not my. No, Yangate. Yangate. Not my. Je parle même pas de mon nom. I'm not talking about my name. Mais ton grand nom. Your great name. Qui deviendra ton grand nom? What will become your great name? On sait qu'à ta place c'est un chrétien. They know that piece is a Christian. Mais tu ne m'aides pas pour être un vrai chrétien. Voilà, you don't help me to become a good Christian. Seigneur, est-ce qu'il a changé comment? Lord, I've already changed the name. Na comment j'ai Jésus aya? I became Jesus. Comment tu me laisses vivre comme à ta place? You let me live like other people. Mais il faut changer, non, papa. You gotta change me. Faut changer, gai. You have to change me. Oh là là, est-ce que vous vous sentez bien? Are you feeling well? Listen, the word is God. La parole c'est Dieu. The Bible said it was. La Bible dit elle était. Ah, la Bible dit que la parole était Dieu. La Bible dit que la parole était Dieu. And et it is God's eternal, everlasting word. C'est la parole éternelle qui reste pour toujours de Dieu. Now listen. Écoutez. To know how perfect he is. Pour savoir combien il est parfait. Then alors how can he act this way in this crisis?
Comment peut-il agir de cette manière dans cette crise ici? And turn around and deny that and act another way in the same crisis. Et se retourner et maintenant renier cela pour agir d'une manière différente dans cette autre crise. Mais il n'est plus Dieu. He's no more God. Pour savoir combien il est parfait. S'il était entré dans la fosse au lion. Yaya Lelo. Au Kokota. Naomi. Au Kokota. Au Kokota. S'il n'entre pas. Daniel a menti. Je déchire la Bible. Dieu n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Plus Dieu. Comment? Moi. Me. Dans la chaleur, il doit chauffer sept fois, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Pour eux, tu étais entré. Il n'avait même pas le Saint-Esprit. Sous le sang des boucs et des taureaux, mais les lots, Makiraba Nyamezate, Zambé, Katinayo, Dieu, dans la chair humaine, Dieu est dans l'homme. Tu dis amen à ça. Amen. Comment Dieu peut se retourner? I can go turn around. Et nier ce qu'il a fait hier. Deny what he did yesterday. Pour dire que non, le on a l'embi. Say no, today I'm tired. Ah? Yeah, yeah. Mets l'énergie drink. Oh, take, drink some energy drink. Au Kokota na moto, yaya. Get in the fire. Au Kokota. Il faut ton mon ayo. We have to see you. Vous savez, hein? You know, ce n'est pas seulement que Daniel, not that Daniel était sauvé des fosses aux lions. Was saved from the last day. Mais Daniel, but Daniel a vu Dieu. Seen God. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas qu'ils étaient échappés not du that, feu. They escaped the, no, no. Même les païens du roi, even they, oui, il a vu la quatrième personne. Oui, il a vu ça. Il a vu. Il a vu la quatrième personne. Yes. C'est lui qui avait demandé combien de gens on a jeté. Trois. Mais comment je vois quatre? C'est qui cette quatrième personne? Cet incrédule de sorcier qui t'envoûte, il doit voir la deuxième personne dans ta vie. Il doit le voir. Il doit voir cet homme-là. Il ressemble au Fils de l'homme. Il ressemble à la colonne de feu. Il est Dieu lui-même. Dieu lui-même. God himself. Il faut que vous, il faut qu'il la voie. Yes, to see him. C'est quoi cet homme-là? What is that man? Il ressemble au Fils de l'homme. He looks like the Son of the Man. Ah, nous on a attaqué une seule personne. We're attacking one person. C'était une seule Rachel. That was one Rachel. Mais comment est-ce qu'il va comme ma passe ça? I have twins. Zambé ya ye. Yeah, God. Il les donne une sommeil. C'est ma promesse. That my promise. C'est écrit dans la Bible. It's in the Bible. Celui qui garde l'Israël. Celui qui veille sur Israël. Il ne dort. Ni ne sommeil. Et si dit le Seigneur, ça ne jouera jamais. That will never fail. Dieu a la vidéo. God has the video. De comment on t'attaquait la nuit. On how you attacked the night. Il a la vidéo. Yes, the video. De comment tu étais dans les problèmes. Are you in the trouble? Et il sait comment il avait intervenu. Tu verras ça à la fin de la vie. Quand il va jouer la vidéo, tu verras l'homme fort. Comment est-ce qu'il entrait dans tes problèmes. Dernier Zakio Longelayo. Comment est-ce qu'il vainquait pour toi. Il était en train de vaincre. Aujourd'hui, il est en train de vaincre. Je le crois. Je le témoigne. Je le confesse. Je le confesse. Et le diable est un menteur. The devil is a liar. Il n'y aura jamais de mort dans cette église. Not dead will be the il n'y aura jamais de mort. Never, not dead. Ni dans le spirituel, ni the dans le physique. No, notre Dieu est capable de déjouer tous les plans de l'ennemi. Peu importe comment le diable viendra. Même s'il venait comme un vent impétueux. Notre Dieu va élever son étendard. Il va protéger son peuple. Personne ne mourra ici. Parce que nous avons l'homme. Et c'est homo. L'homme qui a vaincu la mort. Le plus fort d'entre 10 000. Le fort dans les combats, puissant dans la bataille, porte des éternels, et les vins volontaires, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus-Christ, le roi de gloire, le fort dans les combats, puissant dans la bataille. Oh, merci Seigneur Jésus. Faut dit, Alléluia. Yes, what the same way he did there. Oh, c'est de la même manière qu'il a fait là-bas. Or he did wrong. Ou alors il a fait une erreur. Then, alors, if he done wrong, s'il l'a fait, il a fait une erreur. He's not God. Il n'est pas Dieu.
From the moment he said, there you are. Moi-même, c'est vous êtes arrivé. He isn't infallible. Alors, il n'est pas infaillible. Oh, Dieu doit être infaillible. God gotta be infallible. Le loco là, t'as une anzoto. Today you gotta, you gotta. Menge au salaire qui ana. Le longai. Menge au salaire qui Abraham. Le loco minga la nangai. Dalobi au kosala. Say you gotta do it. Tu dois agir. You have to work. Comme tu avais traité les ennemis de David. Mais tu dois le faire. You have to do it. Comme tu avais traité les ennemis de Mardoché. Je lis ça toute la nuit. I read it all night long. La Bible décrit Aman. Bible describes Aman. Aman est l'ennemi de Mardoché. Of Mardukai, le peuple de Dieu. The people of God. Je prêcherai ça. I'm gonna preach that. J'ai dit à mon épouse, j'ai des bombes. I get bombs. Mais je crains seulement que si je lâche ça, if I let it go, il y a beaucoup d'interpréteurs. Many interpreters. Je dois prêcher have to preach sur le péché de Mardoché. Upon the sin of Mardukai. Le péché de Mardoché. The sin of Mardukai. Vous savez c'était quoi? You know what it was? Il n'a pas voulu s'incliner à la volonté d'un homme. He didn't want to bow to the will of a man. L'homme voulait que Mardoché puisse s'agenouiller. To kneel. Apaise Aïba Lokoum. To give him praise. Mardoché dit jamais. Mardukai said never. Aman. Aman. Moi Mardoché. Me Mardukai. Je suis un juif. I'm a Jew. Je veux m'incliner devant I'm toi. Gonna bow in front of you. Jamais. Never. La Bible m'a dit me, que mes genoux knees, fléchiront devant le nom de l'Éternel. Je vais développer ça, vous allez voir. C'est grand. You see, that's great. Comment Esther a papi bango? Esther destroyed them. Dans le calme. In the quiet. Mais son papa bango. I'm destroying them. Roi tu n'es Esther, tout ça les souligne. Esther, what should we do? Abi au roi, bande la punition en alobi les sous. Start of the punishment. Abare bango 500,000. They can be killed 500,000. Allez lire le livre d'Esther. Go read the book of Esther. Oh my. My. Praise the Lord. Listen. Écoutez. God can I say? Dieu ne peut pas dire. I acted that way. Oh, j'avais agi comme ça. But I made a mistake there. Mais j'ai fait une erreur là-bas. But I won't make a mistake over here. Mais maintenant ici, je ne vais pas faire la même erreur. Non, la même chose. Si, voyez-vous, God cannot do that. Dieu ne peut pas faire ça. And be God. Et demeurer Dieu. He has to be God forever. Il doit être Dieu pour toujours. Si, voyez-vous, he has to be the same forever. Il doit être le même pour toujours. He has to act the same way every time. Il doit agir de la même manière à chaque fois. He has to do it. Il doit le faire. And I've seen it proven over and over and over again and over again. And I know he does. Je l'ai vu être prouvé à plusieurs reprises et je sais qu'il le fait. Il le fera toujours. He will still do it. Toujours. Always. Toujours. Always. Toujours. Always. Ça c'est une bombe, je vais jeter ça sur vous. I'm going to launch this bomb on you. If you say you are a believer. Si vous dites que vous êtes un chrétien. And then you act contrary to what you say. Et alors vous agissez contrairement à ce que vous dites. You are not a believer. Alors vous n'êtes pas un croyant. Oh, preach me now, preach me, preach me. My. Moi je suis un croyant. I'm a believer. Faut m'en prêcher. Faut m'en preach. Une prédication. A sermon. J'accuse cette génération. I indict this generation. D'avoir crucifié mon Seigneur Jésus pour la seconde fois. For the second time. Et là dedans il dit. In there he say. J'accuse les chrétiens d'aujourd'hui. I indict this Christian. Tu étais supposé vivre comme Christ. You were supposed to live as Christ. Mais ils ne vivent pas comme Christ. They don't live like Christ. Ils vivent comme toute autre chose. They live like anything else. Sauf comme Jésus. But Christ. J'accuse. I indict les chrétiens d'aujourd'hui. Today's Christians. Oh my, je me sens bien. I'm feeling well, me too. Mais je dois terminer. La parole de Dieu est ce qu'il a. The word of God is, oh my, delicious. Ça fait du bien. That's a good feeling, yes. N'est-ce pas, frère Eli? Right, brother Elijah. Ça donne un peu de minchen, that gives some shivering. Ça fait du bien, yaya. That's a good feeling, oh. Quand vous écoutez ça. When you hear that. Ça vous fait du bien. That makes ça détruit le myome intérieur. Destroys the interior myome. Le myome spirituel. The spiritual myome. Ça détruit le couloune spirituel. La pierre là, quand ça descend là, ça n'épargne personne. Ça ne secoue d'aucune main. No man's help. Maintenant, écoutez. Now listen, Frère Madame a dit. Brother, what I'm saying. Jacob. Jacob.
Vous le connaissez? You know him. Oui, nous le connaissons. Il était un fils de la promesse. Was the son of the promise. Jacob. Jacob. Mon élaka. Son of the promise. Malgré sa vie. Despite of his life. La Bible l'appelle un supplanteur. The Bible calls him a liar. Est-ce que vous avez vu combien de fois comment on a à se repentir en église avant? Do you know how many times Jacob repented himself in front of the church? Jacob. Jacob. Soit on se repentit, soit on est sur le yo. On finit sa famille, on est sur la coupe. Bon, yo yo. Family to be in something, they're gonna kill you. Esau. Esau. Contre Jacob. Against Jacob. Tous les dimanches. Especially on Sunday. Papa, ma maman, on découvre l'immisangai. My friends will forgive me. I stole a sheep in the neighborhood. They forgive him. Where they come to? They change the side. He comes again. Sister, forgive me. I stole your slippers when we were praying. Next day he comes in the next side. Forgive me, my brother. I'm destroying the church. The son of the promise. La Bible l'appelle vraiment menteur. Bible calls him a liar. La, quand Esaü entrait dans l'église, when he was coming to church, il sautait. Was jumping. L'homme spirituel. The spiritual man. Ah, voilà. My coming in. Ah. My. Oh la. When he stole, he becoming short. When Jacob saw how cut it was, Jacob coming to the church. Jesus. He comes again. We're going to hear what he's going to say today. Hallelujah. Oh, hallelujah, brothers. Hello, Jesus. Today came. Tell me to tell me. Don't bow to me. Raise your head. Hello, Jesus. Today came. I hurt you so much. La, Dieu attend là. God is waiting there. Qui va parler à mal? Who's going to talk evil? Quand vous commencez seulement. When did you just start? Jacob wana. Jacob that. Wow. Jacob wana soanga. Jacob is up. Jacob ou pas l'équipe? Jacob is too much. Et demain encore il vient. Tomorrow again. My brothers, I'm crying. Oh, I stole the birthright of my big brother. Mais Jacob. Jacob. C'était le plan de Dieu. Was God's plan? Oui, c'était le plan de Dieu. C'est pourquoi je vous dis. That's what I'm telling you. Toi et Banina Liloba. Souka n'a pas limite. Ah, stop somewhere. Souka. Ndengo mona Laetitia wana. Where you say Laetitia? Souka na mkuse na ye. Just stop somewhere. Na mwa pembe na ye. Souka wana. Stop right there. Cause I never courage aki ndoki te. I don't have to care about witchcraft. Oko tati na ba vio fai koko tate. That you shouldn't get it. Vous me comprenez? You understand me? Si vous voulez faire vos réunions chez vous à la maison, mitonga, tonga bana yo, bakoko na yo, banoko na yo, tika bana ya nzambe tranquille. Moi j'ai appelé un frère qui est au Canada. I called the brother in Canada. Je lui ai dit. I told him. When he told me to his pastor, don't say my name. Ezala dans le bien, don't even try. Talk about your life. Not my name. Il y a un nom qui vous avait été donné, non? The name that was given. Pobo Tonga, Pobo Fukamela, Pobo Yemela. Si comme on a. That is it. Olembi ko Tonga ngo comme pas nanga. You talk about me. Vraiment. Bambi na binabo tonga akombo yo universel. Di Mateo so tonga yango. Yo si se mona onte banya ata parce que ta comme contre pasteur ba uti. Yo! Okoloka mapamba. Tonga vina yo. Ya mosi na yo. Ya bana na yo. Bima na vinanga. Get out of my life.
makambo ya ngala beke tali yo surtout fou qui est au Canada et tali bino is it your problem ogoloka mabamba you're going to be bewitched for nothing tu vois un enfant de Dieu you see a child of God au moins tu n'as dit non à savoir see like Nadine the way she is just to stay the way she is muluba comme une japonaise sugagawa she's a Japanese no problem just to stop there sugagawa just to stop there Oh no! Then you come in Japanese. Yeah, I should become Sugagawana. Just to stop there. Oh no, fucking suke god. Yeah, there should be. Sugagawana. Just to stop there. You're lingini. What do you want? Oh no, tu vois, je ne vois rien. I don't see anything. Sugagawana. I stop there. Tout ce qu'on nous a demandé de faire pour nos frères, c'est quoi? Alors? Oh then. Alors? Then. So you go babola mute bon là. You want to say good pray. Mais c'est ça la parole. Tu n'es pas les journalistes de la vie des gens. You're not the journalists of people. Bimana katinango. Get out of there. Babengo na Kinshasa. They call you Kinshasa. Kunezo le kandenge ni bien. Is it good? So no munoko no kombwa na bien koko bimate. Kata téléphone. Just to cut off your phone. Si on t'appelle, comment ça va là-bas? They call you, sit there. Faut leur dire, yaya. Sir. Faut te dire qu'il n'a pas mon bol là. I'm not a man. Mitonga yomoko. Loba yomoko. Don't about yourself. Bano yanga basuba na mbetu yaya. My children, they pure. Loba ngo yomoko loba. Talk yourself. Talk about it yourself. Je vous dis vrai, non? Tell you the truth. Laissez l'église de Dieu tranquille. Leave that church alone. Laissez ça tranquille. Leave it alone. Quand Dieu a appelé Justine au message, when God called Justine in a message, elle était avec qui? She was with who? Elle était toute seule. Toute seule. Quand elle va mourir, when she's gonna die, elle ira avec qui? Who is she gonna go with? Alors, then, quand Dieu avait créé Adam, when God created Adam, il était avec qui? Who was he with? Toute seule. Quand il avait dit à Adam, papa, les jours que tu mangeras, tu mourras. Il so était avec qui? Who was he with? Mais quand Adam avait pris la décision de mourir, took the decision to die, et t'as la guinane. Whose business was it? Who died? Et alors? Then. Tikaye. Leave him alone. You just pray. Seigneur, na bonde pour l'année commence. That I pray for my brother. So ka boine ko changer. Doesn't want to change. Pour fi que to c'est la loléa. And waiting for heaven to come. So ki pa rater première session. If he miss the first session. Ba ko betaye. Then pray the bill. Ako yana deuxième session. You're gonna come at the second session. You guys are terrible. Je dis laissez la vie des gens tranquille. Leave people life alone. Je dis amen à ça. Une chose que tu ne comprends pas, n'en parle pas. Don't talk about it. C'est ça la parole. N'en parle pas. Don't talk about it. N'en parle pas. C'est ça la parole. Don't talk about it. Dieu t'a révélé que moi je suis un menteur. God revealed to you that I'm a liar. C'est pour te dire de prier pour moi. To tell you to pray for me. Au moins, voilà. Le mien s'est révélé. At least mine is revealed. Mais on souba la mbetu la bina. But you went your own bed. Nanya ibiam. Who knows that? Yo kumba ravion e wabora. You flying an airplane. Nanya ngwa ibiam. Who knows that? So kaba vase ba continue on show. Abel ngwa lusha bibilo kwana. Vraiment na ma dit ça doit être des trois messages. Ça doit être au bureau. Got to be in the office. Ozo banga nini kas? Why are you afraid then? Oh non frère. No brother. Les dons là ça agit mal à l'église. Yes so za na don na vie yo. Do you have a gift in your life? Oh non d'Abraham tabernacle. Yes so ko d'Abraham tabernacle. Oh comment tu étais à Jefferson? Have you even been in Jeffersonville? C'est fort hein. That's something right. C'est pourquoi je vous avais dit il faut écouter les messages de Branham. Listen to Branham's message. Quand vous lisez ça c'est bien. When you read it it's good. Mais écoutez. Listen up. Surtout nous en Amérique qui connaissons l'anglais. Écoutez. Listen up. Vous allez voir des choses. You will hear things. Oui. J'ai écouté d'autres messages. I heard other messages. Faut Branham prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Le message commence à sortir. The message starts coming out. Il arrête. He stops. Il écoute le message. He hears the message. Quand il finit, when he finishes, il commence à commenter. Vous, boyo qui binomoko. He says yourself, you're cette personne-là que Dieu a dit, il est that ici. Tu dois te repentir. You have to repent yourself.
Et il continue la prédication. And he continues to preach. C'est vrai? Yes, yeah, oui. Il y a d'autres prédications à la fin. Yes, at the preacher, at the... Frère Branham, il prêche, il finit. Preach is finished. Le message commence. The message starts. Mon serviteur Branham, yes. do this. Yes. Et Branham a dit, vous venez d'écouter. I'm saying, just heard. Tel, venez. Such, come on here. Oui. Maintenant, dites-moi. Now tell me. Les dons a conduit l'église, oui ou non? The gift to lead the church, yes or no? Le problème, c'est qu'elle lisait le message. The problem is read the message. Arrêtez de marcher avec les ondes. Stop working with hearsay. Il y a d'autres, ils prêchent vraiment avec beaucoup de courage. With so much courage. Ah, montrez-nous ça. Show me that. I heard a pastor. Vraiment. Dans l'autre sens, oui. In other dans l'autre sens, non. Words, dans l'autre sens. Which side? Dans l'autre sens. You're on one side. On va te poser la question, pasteur, tu es un genre dans l'autre sens, oui. Yes, dans l'autre sens, non. Mais toujours les voix me parlent. Une voix me parle. Quelle voix? Which voice? Dans l'autre sens, oui. On the other way, yes. Dans l'autre sens, non. And the other way, no. Wow. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Je parlais de Jacob. Je vais terminer par lui. Jacob, I'm about to finish. Jacob. Jacob. C'était quelqu'un sur qui la promesse de Dieu était faite. Was someone on whom the promise of God was made. Et parce que Dieu l'a promis quelque chose. And because God promised him something. Jacob ne pouvait pas mourir. Jacob could not die. C'était impossible. That was impossible. Qu'on aille au funérail de Jacob. For, to go to the funeral of Jacob. J'ai dit bien impossible. I say impossible. Comment il va mourir? How is he going to die? C'était impossible. That was impossible. Now Jacob. Now Jacob. As a wanderer. Comme un vagabond. Comme un vagabond. Yet in the promise, he ran for his life. Alors qu'il avait la promesse, mais il a fui pour sauver sa vie. Well. Bien. He would not have got killed anyhow. Il ne pouvait pas amener que Dieu puisse être tué de toutes les manières. Non. Ah, il ne pouvait pas être tué de toutes les manières. Voilà. Il ne pouvait jamais, même s'il n'avait pas fui. Even though he didn't run away. Il n'allait pas mourir. Yeah, he's not going to get killed. C'est ce que le prophète dit. That's what the prophet says. Why? Pourquoi? God was with him. Dieu était avec lui. Il est là. Mais Dieu God était avec lui. Was with him. Dieu est comment comme ça? How are you that? Il est comme ça. That's how he is. Ça c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit la vie est l'enfant de Dieu. Faites attention avec ça. Be careful, God. Faites attention. Be careful. Même s'il n'avait pas fui, Fabana m'a dit, I'm saying, il ne pouvait pas mourir. He could not be killed. Because God was with him. Parce que Dieu était avec lui. God was talking to his servant. Dieu parlait à son serviteur. Because he, parce qu'il, because in his servant, parce que son serviteur, not because he was righteous, pas parce qu'il était juste, but because God had made a promise. Mais parce que Dieu avait fait une promesse. Alors Dieu parlait à Jacob. So God was talking to Jacob. Jacob était un supplanteur. Jacob was a un vrai menteur. A real liar. Mais he was God's servant. Mais il était le serviteur de Dieu. And in him, en lui, Dieu avait placé quoi? La promesse. God placed what the promise. Donc même s'il n'avait même pas fui Esaü, il n'allait pas mourir. He couldn't die. Parce que la promesse de Dieu was God's promise. Devait s'accomplir. Was God's était promise. À l'intérieur. Was it there? Dans son âme. In his soul. La promesse de Dieu. God promise. C'est quoi? What is it? C'est la parole de Dieu. That's God's word. C'est quoi? What is it? C'est Dieu. That's God. Et c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Dieu était dans Jacob. God was in Jacob. Jacob ne pouvait pas mourir. Jacob could not die. No matter what. Peu importe ce qui arrive. Non, il ne pouvait pas mourir. He couldn't die. Le prophète dit amen. Prophet say amen. And God took Jacob. Oh, je vais lire ça. Yes. Supposez que je lise. Bear for me to read it. Look the way Jacob got it. Regardez comment Jacob l'a reçu. But God had made a promise. Mais Dieu avait fait une promesse. And he had to keep it. Et il devait la garder. In the loins of Jacob. Dans les reins de Jacob. Lay the blessed righteous seed coming forth. Il y avait la semence du juste qui devait venir. From there, according to the seed Isaac, his father.
à l'intérieur de lui, conformément à la semence que Isaac avait reçue, son père. Which had been promised through Abraham. Qui avait été promis depuis Abraham. Donc, dans Jacob, il y avait la transition des promesses. In Jacob was the transition of the promises. Ce qui venait de chez Abraham, what was coming from Abraham, ça transitait par un vase appelé Isaac. By a vessel called Isaac. Et Isaac a pris tout ce qui était en lui. Il a déversé ça dans Jacob. Mais au Koboma, il y a Nani. Who are you going to kill him? Who are you? Injurier Jacob, c'est injurier les promesses, injurier la gloire, injurier Dieu. God. Donc à ce temps-là, time, même si Jacob vole ton argent, Jacob still parlez bien de lui. Talk good of him. Oui, oui, parlez bien. Mondela et Boazongisa. Ah, beg him so he can give it back to you. Kogangate. Don't yell. You Jacob Muyibi. You Jacob lie, a thief. Mais parce qu'il avait la parole. He had the word. La promesse. The promise. Dans ses reins. In his loins. In Jacob's loins. Dans les reins de Jacob. Was the seed laying there. Était la semence. Elle était là à l'intérieur. Whether it would come out many centuries or generations on, but there was the promise in his loins. Même si elle devait venir après plusieurs générations après lui, mais la promesse était dans ses reins. Assemblée de Charlotte. Assemblée de Charlotte. Même si ça s'accomplira par tes enfants. Mais la promesse est dans tes reins. The promise is in your loins. La promesse est en toi. The promise is in you. La promesse est à moi. The promise is in me. C'est ça la vérité, Seigneur. La promesse est à moi. The promise is in me. And God took Jacob. Dieu a pris Jacob. And showed him some of the future. Et lui a montré un peu de son futur. Knowing that he was an heir of the promise. Sachant qu'il était héritier de la promesse. Ah, je me sens bien. I'm feeling well. Me too. Not because he deserved it. Pas parce qu'il le méritait. But because God had promised it. Mais parce que Dieu l'avait promis. Not because that you got a right. Pas parce que tu as droit. But not because that something you done. Pas à cause de quelque chose que tu as fait. But God. Mais Dieu. Has given you that same kind of a promise. T'a donné le même genre de promesse. Qu'il avait donné à Jacob. That he gave to Jacob. So when we are dead in Christ. Ainsi comme nous sommes morts en Christ. We take on Abraham's seed. Ah, nous devenons la semence d'Abraham. And we are heirs with Abraham in the promise. Et nous sommes héritiers avec Abraham dans la promesse. Now, maintenant, the only way you could be an heir, la seule manière d'être héritier, is to be dead yourself. C'est d'être mort toi. Take on the seed of Abraham. Ah, que tu prennes la semence d'Abraham. Which was Christ. Qui était Christ. And Christ can only come by the Holy Ghost. Ne peut venir que par le Saint-Esprit. That is right. C'est vrai. And then you are an heir of the same promise. Héritier de la même promesse. You have become a pilgrim. Vous devenez un pèlerin. The prophet said, listen at it. Prophète, écoutez ceci. A pilgrim and a stranger. Un pèlerin étranger. Seeking a city to come. Ah, qui est ici, mais qui va aussi venir. No, no, seeking a city to come. Ah, qui est en train de rechercher une ville qui est à venir. Whose build and maker. Dont le constructeur et l'architecte. Is. C'est. Maintenant, écoutez. Now listen up. Proverbe dit ceci. Proverbe says this. Now all through the years. Maintenant, au travers des âges. We find out this was a beautiful promise. Nous réalisons cette très merveilleuse promesse ici. That God had promised a way of escape. Que Dieu a promis un échappatoire. C'est ça. A ladder to climb on. Ah, une échelle sur laquelle nous pouvons monter. A sure foundation. Une fondation certaine. God had promised it. Dieu l'a promis. But, mais, he was walked in glory to the throne of God. Il a été emporté dans la gloire sur le trône de Dieu. Cela a été accroché. Accroché là-bas. Hein, au trône de Dieu. But where could he find a place on earth to hook it up? Mais dites-moi, où est-ce qu'il pouvait trouver une place pour accrocher cette promesse sur la terre? Cette échelle-là. That ladder.
Ces moyens-là d'échappatoire. That way of escape. There was no way. Yeah, c'était impossible. He tried to hook it one time upon the Jewish nation. Il a essayé de l'accrocher à un certain moment sur la nation juive. He found out that he couldn't do it. Il a réalisé que ça, il ne pouvait pas le faire comme ça. He knew what he was going to do all the time. Il savait ce qu'il ferait à tout moment. Because he would promise the seed was in Jacob then. Parce que il avait promis la semence était en Jacob alors. But he couldn't hook it on Jacob. Mais il ne pouvait pas accrocher cela dans Jacob. Because Jacob was a supplanter. Parce que Jacob était un supplanteur. Come on, go ahead. Neither could he hook it on Abraham. Non plus, il ne pouvait l'accrocher sur Abraham. Little fellow sitting out there. Cet homme qui était assis là-bas. A backslid. Un rétrograde. Hey. Abraham. Abraham, yes, that's right. Probably danger. Probably serious. Lying. Mentant. Treating his wife the way he was. Et il a traité sa femme de cette manière-là. He couldn't hook it on that man. Il ne pouvait pas accrocher ça dans cet homme-là. He couldn't hook it into the temple. Il ne pouvait pas l'accrocher au temple. He tried it on the patriarch David. Il a essayé de l'accrocher au patriarche David. But David. Mais David. Took Bathsheba for a wife. Il a pris Bathsheba. Il l'a pris comme femme. He had killed Uriah. Et il a tué Uri. See? Voyez-vous? Everything. Toutes choses. That he tried to hook it to. Auquel il a essayé d'accrocher cela. He wouldn't anchor. Cela ne s'accrochait pas. Oh, hallelujah! Hallelujah! But the prophet said, mais le prophète dit, there will be a stone laying in Zion. Il y aura une pierre qui va être là à Sion. A precious stone. Une pierre précieuse. A tried stone. Une pierre qui a déjà été éprouvée. That will be the anchor. Qui sera l'ancre. Yes. Oui, monsieur. A wonderful stone. Une merveilleuse pierre. And then, et alors, being God in heaven. Étendu au ciel. Weave and let the hook into his own throne. Avec quelque chose qui accroche à son propre trône. Avec une échelle. Une échelle qui accroche à son propre trône. He hooked it also in one other. Il l'a accroché à une autre. No, he hooked it also in no one other. Il ne l'a pas accroché à une autre. But the Son of Man. Yes, sir. Mais le Fils de l'homme. Jesus Christ. Jésus Christ. The chief cornerstone. Oh, la pierre fêtière. Because God don't want his ladder slipping around. Parce que Dieu ne veut pas que son échelle puisse être allongée n'importe où. Non. Non. Au ciel. In heaven. Ancré à son trône. Anchored in his throne. Sur la terre. On Dieu. Ancré dans son propre fils. Anchored in his own son. Le fils de l'homme. The son of the man. Jésus Christ est notre Dieu. Jesus Christ, our God. Ça doit vous faire du bien. That should give you. But God made a covenant. Mais Dieu a fait une alliance. Unconditionally. Inconditionnellement. And he hooked into Christ Jesus. Et il a accroché à Christ Jésus. There it is anchored. Là c'est ancré. There is no slipping or sliding. Il n'y a pas moyen que ça bouge. There is no way of getting away. C'est impossible de s'en éloigner. What is it? Qu'est-ce que cela it est? It is hooked by God above. C'est accroché par Dieu lui-même au-dessus. And by the Son of God beneath. Et par le Fils de Dieu en bas. And what is it? Et qu'est-ce que cela it est? Is a pathway. Oh, c'est un chemin. It is a traveler's way. C'est un chemin du voyageur. From earth to glory. Oh, de la terre à la gloire. You cannot fail. Vous ne pouvez pas échouer. Look. Écoutez. There is a great companies of angels. Il y a une grande escorte d'anges. Up and down here. Oh, montant et descendant ici. Ascending and descending. Qui monte et qui descend. Picking up the weary. Prenant ceux qui sont fatigués là. And the sick. Et les malades. Healing their bodies. Oh, guérissant leur corps. And showing visions. Et montrant des visions. And mighty signs. Oh, des signes puissants. And mighty wonders. Et des miracles merveilleux. You cannot fail. Vous ne pouvez pas échouer. Because the letter can't sleep. Parce que l'échelle ne peut pas bouger. The ladder cannot slide. L'échelle ne peut pas tomber. So you are safe. Et si vous êtes en sécurité. God says so. Dieu l'a dit. That settles it forever. Cela règle pour toujours la question. Dis gloire à Dieu. The glory to God. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je suis en sécurité. I am safe. Rien ne peut te nuire. Nothing can harm you. Il y a un escalier. C'est la ladder.
qui est placé là. Il y a les anges qui sont passés par là, qui montent et qui descendent, qui sont en train de soutenir les faibles, qui guérissent les malades, qui accomplissent ces grandes choses dans l'église. William Branham a dit, you cannot fail. Dites en toi, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. I cannot fail. I'm not failing. I cannot fail. Never. Never fail. Oh, merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Pour mon ami, s'est accroché là-bas. Dans les cœurs de Dieu au ciel. That of God in heaven. Et accroché ici par terre, sur la terre. Dans les cœurs de son fils. That of his son. Là-bas, c'est un Dieu. Yes, ici aussi, un Dieu. Yeah, God is... Alléluia. 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 Dieu est Dieu. God, God. L'escalier entre Dieu et Dieu. Où est-ce que Yesu na Yesu? Nicolas Yesu na c'est Yesu. And we are brought into it. Et nous sommes amenés dessus. Au-dessus c'est Dieu. En bas c'est Dieu. Dis-moi, espérant, tu vas jouer comment? How you gonna fail? Au-dessus c'est Dieu qui t'appelle. On the top is God calling. En bas c'est Dieu qui te soutient. That is God helping you, supporting you. Donc Nzambe azoloba na Nzambe. God talking to God. Tindika ye, tindika ye. Nzambe azoloba na Nzambe. Na tindiki benda ye, benda ye. Mais tu vas échouer comment? How you gonna fail? The prophet say amen. Prophet say amen. He say, oh my. Then what do you care about? Alors de quoi avez-vous peur? Our promise is hooked between God and Christ. Notre promesse est accrochée entre Dieu et Christ. And we are in between them. Et nous sommes au milieu entre eux. Entre Dieu et Dieu. Between God and God. Nous sommes au milieu. We in the middle. Donc, nous entre Nzambe na Nzambe. You between God and God. Tozole la nini. Why are you crying? Na kolela te. Tozo banga nini. Why are you afraid? Seigneur Jésus. We are in between them. Nous sommes au milieu là. With angels. Avec des anges. And he said. Et il a dit. He will give his angels charge over thee. Il va donner aux anges une charge de nous prendre. And the angels of God are encamped about those who fear him. Et l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. And all up and down. Et tous en train de monter et descendre. When we are making this foundation. Quand nous faisons cette fondation. Climbing each day higher and higher. Lorsque nous montons chaque jour. Each day brings me one round higher. Chaque jour m'amène à une étape plus haut. Higher. Plus haut. As I move up, alors que je monte, up, je monte, the prophet says, up and monte, up and up. Je monte, je monte. Anything happens. Quoi qu'il arrive. If I fall along the road, si je tombe sur le chemin, or something happens to me, quelque chose m'arrive. There is a great host of angels. Il y a une grande armée d'anges. Standing there, qui se tient là, to pick me up, pour me prendre. They say, come on. Il dit viens. Come on. Allez viens. Come on. Allez viens. We are marching up. Nous avançons. Up towards Zion. Vers Sion. On that beautiful city above. Quelle belle ville là-bas haut. Come on. Allez viens. Come on. Allez viens. Come on. Allez viens. We are marching on. Nous marchons. Up on towards Zion. Vers Sion. On that beautiful city above. Cette belle ville là haut. Seigneur, ça c'est glorieux, c'est glorieux. Si ça ne te fait pas du bien ici, it's not a good feeling to you. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fera du bien. I don't know what is going to give you good. Yeah, oh, eleki fufuna taba. This is more than oh yes. Eleki fufuna soso na gu. More than the food. Eleki na musika. Eleki yaya. Oh, that's more. Oh, benze eleki ata kadila na gu. This is more than the kadila. Oh, eleki na musika. Eleki ba vila na gu yaya. That's more than the houses in the. Bino pe boebi angwa. You know, oh, na ye pia. Oh, eleki ba voyage na gu yaya. This is more than the travel. Nalingi oyo yaya oyo oyo. Loving this more. We cannot fail. Nous ne pouvons pas échouer. There is no failing in it. Il n'y a pas d'échec à l'intérieur. Je dois t'encourager frère Jérôme et sœur Irène. There is no failing in it. Il n'y a pas de we will not fail. Vous n'allez pas échouer. We cannot fail. Nous ne pouvons pas échouer. Je vais encourager chacun de vous. Chacun de vous mes frères. Les blessés de guerre. We cannot fail. Nous ne pouvons pas échouer. We cannot fail. Nous ne pouvons pas échouer. There is no failing in it. Il n'y a pas d'échec là à l'intérieur. No matter what. Peu importe ce qui arrive. Mes amis. My friend. We cannot fail. Nous ne pouvons pas échouer. No, we cannot. Non, nous pouvons pas. There is no failing. Il y a pas d'échec in it. À l'intérieur. It don't rest upon what I do. Il ne se repose pas sur ce que je fais. Cela ne se repose pas sur ce que j'ai fait. It is rest upon what he did. Mais cela se repose sur ce qu'il a déjà fait. The prophet said, amen. Le prophète dit amen. It is already finished. C'est déjà fini. The believer was anchored in Jesus Christ. Le chrétien était ancré en Jésus-Christ. Once anchored in Jesus Christ. Une fois ancré en Jésus-Christ. Coming through the door back there.
venant par la porte là-bas, put on this highway. Il a été placé sur cette autoroute. You cannot get any way but straight up to God with it. Vous ne pouvez pas aller d'une autre manière que d'aller droit vers Dieu sur ce chemin-là. One way. C'est sens unique. One way. Sens unique. Tu as accepté ce message. You accept this message. One way. Sens unique. Pourquoi on croit te repentira? Mais one way, yaya. Dina lola. Sens unique. All the way to heaven. Tu vois l'église à zongé ba pantalon? You see all the girls coming back with pants? Et bandi wapi? Where do you find it? Kagana ba jipo yaya. Only with this skirt. Okuta mukuse fiko masumulai. This is even short. You got to put longer. Dina lola. We're going to heaven. Écoutez. Listen. Angels to take care of you. Les anges ont été chargés de s'occuper de vous. And God made a way of this. Et Dieu a préparé un chemin pour ça. Quand tu conduis. When you drive. Un frère Jules honorable. Brother Jules honorable. Il y a les anges autour de toi. The angels are around you. Ceux qui conduisent la voiture. They're driving the car. Et bien sûr, quand tu es au travail. When you're at work. J'ai parlé à mon épouse. J'ai caché ça à mon épouse. So I didn't get to my wife. Quand je leur ai dit, when I told them, elle a commencé à avoir peur. She started being afraid. Je lui ai parlé de ça le mercredi. I told her about it on Wednesday. J'étais ici à l'église one day. I was in the church un jour. Je suis parti d'ici à minuit. I left from here at midnight. Minuit 1h. About midnight or 1. Probably 1h. I believe around 1 or something. Je partais sur Sugar Creek. I was going on Sugar Creek. En direction de chez moi. On the way home. J'ai traversé le pont de. Le pont de 85. Oh yeah, I crossed the bridge of 85. Je suis passé là où on fait les fêtes. I went where we usually do the party. J'ai dépassé les hôtels. I left the hotels. Il y a une entrée là, il y a une église. There is a way, there's a church. Et il y a une autre entrée là-bas. The other way. C'est quoi? What is it? Il y a un cimetière. There's a graveyard. Un grand cimetière. A great, big graveyard. Vers 1h du matin. Around 1 a.m. J'ai quitté l'église ici. Leaving the church, here, going home. Quand je partais. When I was going. J'ai vu une voiture. I've seen a car. Qui était comme ça, cette couleur ici. That was this color. Et la voiture là, and the car, n'avait pas de, il y avait pas de phare. There was no headlights. Il y avait seulement, il y avait une seule lumière de l'effet de position. There was only the signal light. Et cette voiture là venait. And that car was coming. Ça voulait me cogner par derrière. Was about to hit me in the back. J'ai regardé ça au miroir. I looked at it in the mirror. Dit, oh, c'est quoi ça? I said, what's going on here, Lord? Il m'a dépassé. He overtook me. Il m'a passé comme ça. He overtook me like this. Il m'a coupé comme ça devant. And then he came straight in front of me. J'ai freiné. I braked. J'ai bougé la voiture comme ça. I moved the car. J'ai dit, oh. I said, oh. Seigneur, mais c'est quoi ça? Look, what's up here? Il a freiné un peu. And he hit the brake a little. Moi, j'ai dépassé. And I overtook him. Il a fait encore la même chose. He did the same thing. Il a fait, wow. He went again. Quand il m'a coupé comme ça, when bam, he came again, il est entré dans le cimetière. He went inside the graveyard. Et il est allé pour ne pas sortir. And he went to not come back out. Seigneur Jésus, j'ai dit, hey. I said, hey. À 1h du matin. At 1 a.m. Il est parti ici pour aller comment? How did he go here to go where? Seigneur Jésus. On voit que nous avons les anges. You see that we have angels. C'est pourquoi moi il y a rien qui va m'intimider. Nothing is gonna intimidate me. Rien. Ne me dis même pas ce que tu essaies de me faire. Continue seulement. Just keep mais tu vas échouer. You in faith. Tu vas échouer. You will fail. Yes. Et où tu sois dans le deuxième monde? He coming. I don't know from the second world. Et il est parmi côté là on a cimetière. Coming on the graveyard and goes. Vous avez les anges autour de vous. You have angels around you. Et rien ne peut vous faire mal. Nothing can harm you. You can fail. Vous ne pouvez pas échouer. You can fail. Vous ne pouvez pas échouer. Je dois arrêter là. I have to stop there. J'ai des bonnes choses ici, I have good things here. Oh, I have to stop it for the hour. Mais je dois arrêter à cause de l'heure. For the sake of the time. À cause de l'heure. You cannot fail. Vous ne pouvez pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ça, moi, je crois. My. Vous ne pouvez pas échouer. You cannot fail. Amen. Je vais échouer comment? How am I going to fail? Demain, c'est l'indépendance. Tomorrow is Independence Day. Nous en avons déjà eu longtemps. We already got it a long, long time ago. One day. Un jour. That day of Calvary. Oh, j'aime ce jour, oh, ce jour du calvaire. There was one came down from glory. Il y a un qui est venu de la gloire. By the name of Jesus Christ. Il était nommé Jésus Christ. The Son of God. Le Fils de Dieu. Came from glory. Alléluia, il est venu de la gloire. And Calvary. Au calvaire. Was formed.
Le calvaire a été formé. That was the day that the price was paid. C'était le jour où le prix a été payé. And the sin question was settled forever. Et la question du péché a été réglée une fois pour toutes. And it opened up the way unto this thing that we are hungering and thirsting for. Et cela a ouvert le chemin vers la chose pour laquelle nous sommes en train d'être affamés et nous soupirons tous les jours. It brought a place of satisfaction. Il a apporté un endroit de satisfaction. There's no man that has ever visited Calvary and seen it the way it was that can ever be the same. Aucun homme n'est jamais entré dans le calvaire et a vu exactement tel qu'il était et est sorti le même. Everything that he ever desired or longed for. Chaque chose qu'il a toujours désiré dans son cœur is met when he reaches that place. Oh my, cela a été rencontré lorsqu'il est arrivé à cet endroit. It was such an important day. Oh my, c'était alléluia, c'était un jour tellement important. Such an important thing. Une chose tellement importante. It shook the world. Oh my, cela a bougé le monde. Like it was never shook before. Comme cela n'a jamais été bougé auparavant. When Jesus died at Calvary. Quand Jésus-Christ est mort au Calvaire. Paid the sin question. Oh my, il a payé la peine. The sinful world had a blockout. Ah, et tout le monde a été dans une obscurité. This sinful world had a blackout. Ah, ce monde de péché a connu un moment d'obscurité. The sun went down in the middle of the day. Le fils est entré, le soleil s'est couché au milieu du jour. He had a nervous prostration. Il y a eu une frustration nerveuse. And the rocks shook. Et les rochers ont bougé. The mountains rent. Les montagnes se sont ouvertes. And the dead bodies bursted from the grave. Et les hommes morts sont sortis de la tombe. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? God zeroed in. Oh my. On Calvary. Il a retourné le compteur à zéro. Dieu a tout retourné à zéro Calvary. He wounded that animal called Satan forever. Il a blessé cet animal appelé Satan pour toujours. Satan was knocked out. Satan a été amené au chaos. At Calvary. Au Calvaire. The greatest price that was ever paid. Le plus grand prix qui a jamais été payé. The only one who could pay it. Le seul qui pouvait payer. Come and pay it at Calvary. Est venu et l'a payé au calvaire. Oh, j'aime ça, Seigneur. That is where the great price was paid. C'est là où le grand prix a été payé. That is one of the things, or one of the things. C'est là l'une des grandes choses. God had required it. Dieu avait demandé cela. And no man was worthy. Et personne n'était dit. No man was able. Aucun homme n'était capable. No man could do it. Personne ne pouvait le faire. And you know what? Vous savez quoi? God came himself. Alors Dieu lui-même est venu. And he was made human. Et il a été fait homme. And he lived a human life. Et il a vécu une vie humaine. Under human desires. Sur les désirs humains. And he was crucified at Calvary. Et il a été crucifié au calvaire. The price was paid. Le prix avait été payé. The highway was made. L'autoroute avait été créée. There's a telephone line sitting there. Il y a une ligne de téléphone qui est là-bas. There is a line to glory. Il y a une ligne vers la gloire. Yeah, in a shell. There's a ladder. Après de Jésus en Dieu. From this God. Il y a un téléphone qui est placé là-bas. A phone is placed there. There is a line to glory. Il y a une échelle vers la gloire. Brings every person in reach of that line. Qui amène chaque personne qui atteint cette ligne là. If a man is full of sin, même si l'homme est plein de péchés, it connected him into the central. Il peut se connecter à la centrale. He can be forgiven of that il sin. Peut être pardonné de son péché. Not only that, pas seulement ça, but that sin is paid for. Mais ce péché là a déjà été payé. You don't have to say I am not worthy. Vous n'êtes pas obligé de dire que je ne suis pas digne. Sure, you are not. Évidemment, vous ne l'êtes pas. And you never will be worthy. Et vous ne serez jamais digne. But a worthy one took your place. Mais un homme qui était digne a pris votre place. And you are free tonight. Et vous êtes libre ce soir. You don't have to wander anymore. Vous ne devez plus errer. You don't have to be a pleasure-seeking man out here on the earth. Vous n'êtes plus obligé de commencer à chercher les plaisirs de ce monde sur la terre. For there is a fountain filled with blood. Parce qu'il y a une fontaine pleine de sang. Drawn from Emmanuel's veins. Qui a été tiré des veines d'Emmanuel. Where the sin is planted beneath the flower.
Oh, quand le pécheur entre sous le flot, lose all the guilty stain. Alors il perd toutes les taches de. You don't have to be lost. Vous n'êtes pas obligé d'être perdu. There is a highway. Il y a un chemin. Alléluia. There is a way. Il y a un chemin. It's called the way of holiness. C'est appelé le chemin de la sainteté. The unclean do not pass over it. Oh, l'impur ne peut pas passer par au-delà de ça. For he comes through the fountain. Parce qu'il vient par la fontaine. First. D'abord. And then he enters the highway. Ensuite, il entre dans le highway. He broke the powers of Satan. Il a brisé la puissance de Satan. He opened the prison doors. Il a ouvert, of hell. Il a ouvert les portes de prison de l'enfer. To every man that was shut up. Pour tout homme qui a été enfermé. In this earth. Sur cette terre. In the prisons. Dans les prisons. Fearing that when he died. Ayant peur que lorsqu'il mourait. What death would be to him? Quelle mort devrait lui avoir? But on Calvary. Mais au Calvaire. He opened those cells door. Il a ouvert ces portes de la prison. Let every captive go free. Et il a laissé que chaque captif puisse partir et libre. You don't have to no longer be torn by sin. Vous n'êtes pas obligé d'être déchiré par le péché. You don't have to no longer yield your members to sin, drinking, smoking, gambling, telling lies. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos membres qu'ils puissent entrer dans le péché en buvant, en fumant et en disant des mensonges. You can be honest. Vous pouvez être honnête. You can be just. Vous pouvez être juste. You can be upright. Vous pouvez être juste. Tu n'as pas de raison de garder cet esprit en toi. No reason to keep that spirit. Tu peux dire à Satan, je n'aime plus ta sorcellerie. I don't love your witchcraft. Je n'aime plus ta magie. I don't love your magic. Parce que je suis libre. I am free. Il y a eu un calvaire un jour. J'ai besoin d'aller au ciel. I need to go to heaven. Yes, yes. Nothing can shake you now. Rien ne peut te bouger maintenant. No winds can shake you from it. Aucun vent ne peut te déplacer de cela. No nothing. Rien. Not even death itself. Pas même la mort. Can separate us from the love of God. Peut nous séparer de l'amour de Dieu. That is what Calvary meant. C'est ce que le calvaire veut dire. Men that were in bondage were set free. Men that were in bondage were set free. Ah, là où l'homme qui était dans l'esclavage a été libéré. Men that were once under fear of death can no longer fear death. L'homme qui avait la crainte de la mort n'est plus obligé d'avoir peur de la mort. A man who longs for a city whose bread and milk is God, he can step on the highway. Et l'homme qui cherchait cette ville dont l'architecte et le constructeur était Dieu peut se tenir maintenant sur l'autoroute. And satisfied towards heaven. Et peut se mettre en route vers le ciel. Set his face towards heaven. Et peut tourner son regard vers le ciel. Because parce que he's free. Il est libre. Somebody can say I am free. Quelqu'un peut dire je suis libre. The prophet say hallelujah. Le prophète dit hallelujah. The man is redeemed. L'homme est racheté. He don't need to wander no more. Il n'est plus obligé d'errer. For there is a way of knowing whether you are right or not. Il y a un moyen de savoir si vous avez raison ou pas. Abraham don't have to wander no more. Frère Branham ne doit plus errer. Abraham don't have to wander no more. Abraham n'a plus à errer. Across the country. Dans le pays. Seeking a city. Cherchant une ville. The sinner don't have to wander anymore. Le pécheur ne doit plus errer. Whether he can be saved or not. Se demander s'il doit être sauvé. Il peut être sauvé ou pas. Un sorcier ne peut plus se demander. S'il peut être délivré ou pas. Can be delivered or not. Un magicien ne peut pas se demander. Magician cannot wander. Est-ce que je peux être délivré can ou pas? Be delivered or not. C'est la vérité. Un menteur ne peut plus se poser des questions. Est-ce que je peux être délivré ou pas? Un critiqueur ne peut plus se poser des questions. Est-ce que ces critiques peuvent me quitter ou pas? Mes amis, au jour du jugement, tu n'auras pas de raison. Parce que c'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Je crois tu n'as plus à te poser des questions. Don't wander anymore. No. Est-ce que je peux être libre ou can plus? I be free or not? Est-ce que je peux voir Dieu ou pas? Can I see God or not? The sick man doesn't have to wonder whether he can be healed or not. L'homme malade ne peut plus se poser la question s'il peut être guéri ou pas. The opening veil on the day of Calvary revealed the way to total victory. Lorsque le voile a été ouvert ce jour au calvaire, a montré le chemin vers la victoire. And God gives us the powers of His Spirit. Et Dieu nous a donné la puissance de Son Esprit. To live. Pour vivre. Triumphantly over all these things. Avec triomphe sur toutes ces choses. Quelles choses? Which things? Ce qui n'est pas de Dieu. What is that of God? Quelles choses? What things? Le péché. The sin. Oui, oui. Le mensonge. The lie. Yes, yes.
Les cigarettes. The cigarette, yes. La vie des souillures. Les films pornographiques. The pornographic movie. Dieu nous a donné les puissances. God gave us the powers. Pour aller au-delà de cela. To go above of this. Pour vivre au-delà de cela. To live above of this. Au-delà des mensonges. Above the lies. Des calomnies. The lies. Au-delà de la haine. Above the hatred. Au-delà des jalousies. Above the jealousy. Dieu nous a donné les puissances. God gave us the powers. Pas la puissance. Not the power. But the powers. Mais les puissances. Pour vaincre. To overcome les tentations, the temptations, les épreuves, the trials, les difficultés. Difficulties. Probablement dit, un péché ne peut plus se demander s'il peut être pardonné ou pas. Un malade ne peut plus se demander s'il peut être guéri ou pas. Ce soir, toutes les questions que tu avais, ça tombe caduque. Ça tombe. Il y a une réponse. Oui, tu es libre. Yes, you free. Yes, oui, tu peux être béni. Yes, you can be blessed. Oui, yes, tu peux prospérer. Yes, you can prosper. Oui, tu peux avancer. Yes, you can move forward. Parce que because la parole de Dieu est infaillible. Word of God is infallible. Dieu ne peut pas échouer. God cannot fail. Les cieux et la terre passeront. Even the death will pass away. Mais la parole ne passera. God's word will not pass. Quelle parole? Which word? Le message de l'air. The message of the hour. Prêché par William Branham. William ça n'échouera jamais. That will not fail. Les cieux et la terre passeront. The death will pass away. Mais le message de William Branham, the message of William Branham ne passera jamais. Can never pass que away. Dieu vous bénisse. May God bless you. Oh, praise the Lord. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire comme moi, gloire à Dieu. Someone says, we glory to God. Quelqu'un peut dire à moi, merci Seigneur. Someone said, thank you, Lord. Écoutez, dans cette parole, il y a des vitamines. The vitamins. Il y a des vitamines. The vitamins. Dans ce message, il y a la vie de prière. That is the prayer life, c'est vrai. Dans ce message, il y a l'autorité. That is the authority. Dans ce message, il y a la victoire. That is the victory. Et dans ce message, il y a l'enlèvement. There's the rapture. Si tu restes dans ce message, if you stay in this message, comme Josué, et Joshua, ne t'en détourne ni à gauche, don't turn left, ni à droite. Not right. Reste dans ce que Branham a dit. What Branham say, le jour d'un s'ouvrira. The tunnel will open up. Je crois ça, je crois. Reste dans ce que Branham a dit. Stay in what Branham ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Left, not right. Il y aura un char de feu qui viendra. Ce char t'enlèvera. Tu monteras dans la gloire. Après la souffrance. Après les épreuves. Après les difficultés. Tu iras voir ton Créateur. Celui dont tu as tant aimé. Sans l'avoir vu. Tu l'as tant chanté. Sans l'avoir vu. Et il y a une promesse de la victoire. Cette promesse est seulement dans le message. I cherish this message. C'est un trésor. C'est une bénédiction. Ce message de le Saint-Esprit. Ce message est Dieu. C'est Jésus-Christ. Mangez ce message. Avant de dormir, mangez-les. Mangez-les quand tu es au travail. Mangez-les dans la voiture. Mangez-les. Même si c'est amer, mangez-les. Ça deviendra bon. Ce qu'il a dans le ventre, ça va t'aider pour être puissant, pour être fort. Tu cherches la puissance. Il n'y a aucune puissance qui dépasse le Saint-Esprit. Tous les magiciens s'accroupissent devant le message. Parce que le message est Dieu. Citez-moi un sorcier du monde qui peut tenir face contre le message. Il tombera par terre. C'est un message qui est apporté sur les ailes de sept anges. C'est un message puissant. Un message fort. Il y a les vitamines à l'intérieur qui fait grossir l'épouse. Même si le monde ne l'aime pas. Même si elle est dans les épreuves. Même si elle est dans les difficultés. Mais quand elle entend la voix du messager. Quand elle écoute le message de l'air. La volonté de Dieu. La pensée de Dieu. Elle a des vitamines. Pour aller de gloire en gloire. De baptême en baptême. Pour escalader l'escalier. There is a ladder. Il y a un escalier pour toi, épouse de Dieu. You have to climb to that ladder. Vous devez monter sur cette échelle. Et n'aie pas peur de tomber. Don't be afraid to fall. Même si tu tombes, à côté de toi, il y a des anges qui ont été engagés pour te soulever. Oui, tu ne resteras pas là. Non, tu as été appelé pour aller de baptême en baptême. D'expérience
à l'expérience. Tu as été appelé pour une œuvre sainte. Tu ne resteras pas là. Il y a un ange qui est réservé pour toi. Pour te soutenir. Pour marcher avec toi. Prends courage. Le monde ne t'aimera pas. Même les gens qui sont dans le monde. Ils peuvent être dans l'église. Tout en étant du monde. Mais le véritable enfant de Dieu. Ils vont t'aimer. Parce que l'amour n'est pas dans le monde. Mais c'est dans les cœurs des croyants. L'amour n'est pas dans les cœurs des semi-croyants. L'amour n'est pas dans les cœurs des incroyants. L'amour est dans les cœurs des croyants. Quelqu'un dit amen à ça. Tiens bon dans ce message. Peut-être que demain ne nous appartiendra pas. Allez manger la parole. C'est cette parole qui va nous soulever, qui va nous sortir de la tombe. C'est le message qui nous fera sortir. J'ai lu quelque part, frère Madame Magie, quand tu as la parole en toi, quand tu vas être même dans la tombe, la parole te sortira. Sans la parole, tu ne sortiras pas. L'épouse sera enlevée, oui. Mais qu'est-ce qui sera réellement enlevé? C'est la parole. La parole. C'est toujours la parole. Qu'est-ce qui dit amen à la parole? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de prier? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de mêler aux autres? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de laisser le monde? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de rentrer chez toi? C'est la parole. C'est la profondeur qui appelle à la profondeur. Il doit y avoir une profondeur qui doit répondre à la profondeur qui appelle. Tu es un enfant de Dieu. Que rien ne te décourage. Le découragement n'est pas notre partage. Ne signez pas cela. Prenez courage. Ne signez pas pour le paquet des serpents. Mais signez pour la victoire. Signez pour la joie. Signez pour le bonheur. Tout ne sera pas le même tous les jours. One day. I say one day. Ça va changer. Ça va changer. Tes souffrances changeront. Un jour. Tes pleurs vont changer. Tes lamentations changeront. Un jour. Ta maladie terminera. One day. I say one day. One day. Un jour. Le diable peut avoir 99 jours. Il n'aura jamais 100 jours. Il aura toujours 99 jours. Pour te tourmenter. Pour faire de toi tout ce qu'il veut. Mais il viendra un jour. Où tout ce que Job avait perdu. Lui sera restauré. À tout prix. Il viendra un jour. Où tu diras que je sais. Que mort est dans terre. Et vivre. Il viendra un jour où le pain ne terminera. Il y a un jour qui vient où la mort ne sera plus. Il vient un jour où les pleurs ne seront plus. Il vient un jour où les souffrances ne seront plus. Nous serons dans la félicité. Nous serons transformés. Nous serons changés. Nous serons dans la gloire. Nous ne pleurerons plus. Hey, ma soeur Marie Ruth, il vient un jour tu ne seras plus grosse. Il vient un jour tu seras dans la félicité. La souffrance ne sera plus là. Nous serons dans une cité là où Jésus est. Un frère Jules, il sera la lumière. Il éclairera dans la cité. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de crainte. Il n'y aura pas de souffrance. Fais tout pour ne pas manquer ces jours-là. Je sais que tu ne les manqueras pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Jésus ne permettra pas que tu manques ces jours-là. Ferme tes oreilles pour ne pas tout écouter du diable. Ferme tes yeux pour ne pas voir les négatifs. Amen. Surtout, 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 surtout. Ferme quoi? Ta bouche. Pour ne pas raconter n'importe quoi. Notre Dieu, il est trois fois saint. S'il vient à toi, il doit faire de toi la sainteté. C'est toi qui es la main de Dieu. Nous les chantons, non? Ce que l'ingo tambola le lokatina mokini. Yo l'ingo simba biloka mokilo yo. Yo koko simba te. Ce qui peut bêler dans ma boucle. Il est trois fois saint. Comment quelqu'un qui est trois fois saint peut tenir encore les mains qui touchent à la pornographie? Comment celui qui est trois fois saint peut utiliser la bouche qui critique? Comment celui qui est trois fois saint peut utiliser les yeux qui regardent aux choses sales? C'est impossible.
Sanctifie tes lèvres. Sanctify your lips. Sanctifie tes mains. Sanctify your hands. Sanctifie ta vie. Sanctify your life. Sanctifie tes pensées. Sanctify your thoughts. Sanctifie ta bouche. Sanctify your mouth. Il est plus tard que vous les pensez. It's later than you think. Jésus t'appelle ce matin. Jesus called you this morning. Jésus a besoin de te changer. He need to change you. Jésus a besoin de toi. You. Tu n'as pas écouté cette parole en vain. Si Dieu a permis que tu l'écoutes, ça veut dire qu'il a besoin de te toucher. Je sais que ton cœur est touché. Je sais que tu as besoin de l'aide. L'autel est grandement ouvert pour toi. Viens à Dieu aujourd'hui. Alors que demain ne t'appartient pas. Venez à Jésus. Venez lui donner ton âme. Venez à Jésus. Viens lui faire encore des vœux. Venez à Jésus. Viens abandonner ta vie. Venez à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai joué à mes vœux que je t'avais fait. De t'aimer, de te servir. J'ai entendu des choses dont je ne devais pas. Je parlais des choses que je ne devais pas. Mais j'essaye des choses. Tu m'aimes encore. Je reviens à toi. Je viens à toi, Jésus. Prends le contrôle de mon être. Prends ma vie. Take my life. Levez-vous. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. If you are going to do something for you.